que les années passent trop vite, que les semaines passent trop vite. Apprends-moi à compter, que le temps passe trop vite, que les jours passent trop vite, que les semaines passent trop vite. Apprends-moi à compter. Amen. Ma vie. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Père, nous te bénissons pour cette occasion. Merci pour ta grâce. Assiste-nous, sois notre Dieu et notre Père. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. Ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 14. Corinthiens 14 à partir de 4. 14, Amen. Amen. Oui, qui nous aide avec la lecture? 1 Corinthiens 14, à partir du verset 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, et que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Lord, thanks for your qu'elle word. Nous purifie. Let it purify et nous délivre de tout esprit and d'erreur. Us from every spirit of parce que nous ne sommes pas dans l'erreur. Because you're not parce que nous n'avons pas reçu de toi l'esprit de l'erreur. We did not receive from you the spirit que of l'esprit error. De vérité nous conduise. That the spirit of truth au nom souverain de Jésus. In the sovereign Amen. Name of Jesus. Amen. 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 Acclame et assois-toi. Clap and sit down. Papa.
T'adorer, c'est le désir de mon cœur. Te louer, la passion de ma vie. Et t'aimer, la folie de mon âme. Te proclamer les rêves de ma vie. T'adorer, c'est les désirs de mon cœur. Te louer, la passion de ma vie. Te servir, c'est les rêves de mon âme. Marcher pour toi, les cris de mon cœur. Amen. Vous voyez, bien-aimés, dans le passage qu'on a lu, se trouve une grande richesse, mais que nous négligeons, que nous laissons parfois dans la poubelle. Je vais commencer par le bas. L'apôtre Paul dit que aussi nombreuses qu'existent les langues dans le monde, il n'y a pas une seule langue qui soit pas intelligible, c'est-à-dire qui soit inarticulée. Est-ce que vous comprenez? Donc, on peut dire que si tu parles anglais, as I'm speaking now, comme je parle maintenant, I just want to teach you about speaking in tongues. You see, when you are baptized in the Holy Ghost, then you will speak in tongues. This is the sign that the Lord has baptized you in the Holy Spirit. There is not baptism in the Holy Spirit without speaking in tongues. Anywhere in the Bible, you can't say, this is an example of a man or a person baptized in the Holy Spirit without speaking in tongues. All of them, all of those who have received the grace of the baptism in the Holy Spirit spoke in tongues. Do you see? So, now, as I'm speaking, donc maintenant, comme je parle, even though many cannot understand what I'm saying, même si beaucoup ne peuvent pas comprendre ce que je dis, they are convinced in their hearts, ils sont convaincus dans leur cœur, that it is que a living language, c'est une langue intelligible, vivante, et une langue vivante. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Qui ne comprend pas anglais? Who doesn't understand English? Qui n'a rien compris ce que j'ai dit? Who understood nothing of Mais vous what êtes quand même convaincu que c'est une langue, non? But at least you're convinced it is a language. Vous êtes convaincu. Vous ne comprenez pas, mais vous êtes convaincu que c'est une langue. C'est une langue normale, comme language, votre langue. Like your tongue. Donc, je n'en... Oshé me dit, tchao. Me tabi l'aim va chab, tchao. Et t'as mis yo, tchao. Dans le coin, c'est où il y a Donc, chez il y a un vachat, il y a là, Sile Mbasanje Yesu Kristo Awi Tema Ba Uwite Gamjena U Uwi Loni Jimi Yota Jimi Uwa Bon, maintenant, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Did you understand what Mais si vous êtes convaincu quand même que c'est une langue qui a un sens, hein?
ton jotto imon fajira hande do min do wajina mon wal jalla isa almasiwa do lara do o mai do gafargal ngam o hisna min do fama ta noddini walde mako ayan ajalna amata dun dinai walde mako yite jahannama ayata kala mo noddini isa almasiyu fu Allah winde deftere mako o hokkan mo ajalda on do fama kadi min noddina isa min yidamo o yafan hakkeji amin yo tammi min hokkugo hayro o mabitinana min kebal tinde o nyaunda nyauji amin pat konani Mais ceux qui ne comprennent pas Fufulde, vous ne comprenez pas ce que j'ai dit, mais est-ce que vous n'êtes pas convaincu que c'est une langue intelligible? C'est pas ça. La verdad es que durante muchos años no he hablado español. Comprendéis, no? No he hablado. Pero voy a tratar de hablar. Esta mañana. Sabéis que nuestro Salvador es Jesús Cristo, que ha muerto para nuestra salvación. Así, es decir que el que cree en el nombre de Jesús Cristo va a obtener el saludo. El saludo de su alma y el saludo de su cuerpo. Porque por la sangre de Jesucristo, la gracia de Dios es nuestra parte. Si tú aceptas Jesucristo en tu corazón, tú vas a ver la gloria de Dios. Dios va a revelarse a ti y tú vas a andar en la prosperidad, en la salud y en las riquezas de Dios. Bon, maintenant, il y a les gens qui ne comprennent pas l'espagnol, non? Mais qui savent, tu sens quand même que c'est une langue vivante, n'est-ce pas? It's a living language. Et bien, c'est ça que l'apôtre Paul disait. That's what Apostle Paul was saying. Bon, maintenant, now? Gigi, gogo, ga, gigi, gogo, ga, gigi, gigi, ga, gigi, gogo, ga, gigi, gigi, gogo, ga. Pourquoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est pas sans pourquoi? C'est comment? Ga, 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 gogo. Go, gigi. Gigi, gigi, gogo, gogo. Ga, gi, go. Go, ga, gi, gi. Gogo, gaga, gagagi. Hein? Hein? C'est pas une langue. C'est une langue, non? Hein? C'est une langue qui est claire, non? Gaga, ga, go. Gigi, gogo, gaga. Donc, la langue là, il y a trois syllabes seulement. Ga, go, gi. On mélange seulement. Gi, go, ga. Gaga, gigi, gogo, go, gi, ga, gagi, go, gi, gogo, gi, go. Avec ce gi, go et ga. C'est tout. Toi, tu parles quelle langue que c'est seulement trois syllabes. You speak which language that has only three syllables? Baba, baba, ba, bo, 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 bo. Baba, bibi, bo, bo, bo. Shara, bo, bo, bo. Shara, ba, ba, ba. Baba, ra, ba, ra, ba. Shoro, bo, 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 bo. Shaboro, bo, shabara, ba. Moi, j'ai fait linguistique et langue appliquée à l'université. Vous comprenez? Ça fait que
Nous sommes très... Les langues respectent une certaine ligne scientifique. Est-ce que vous comprenez? Il y a ce qu'on appelle le syllabaire dans une langue. Ça veut dire que c'est l'étude des sons qu'on appelle les syllabes. Est-ce que vous comprenez? Bon, il y a ce qu'on appelle la sémantique. La sémantique, c'est les sèmes, ce sont les sens dans une langue. The sense of a word. Chaque mot a un sens. Word has a sense. Et les sèmes eux-mêmes à l'intérieur sont subdivisés en phonèmes et en morphèmes. Donc on peut dire quoi? Like to say that une langue intelligible, c'est une langue que même si je ne comprends pas ce que tu dis, je suis quand même convaincu à cause de la diversité des syllabes. I'm convinced because of the diversity of syllabes. Pourquoi? Why? Parce que le monde est tellement diversifié que les langues s'adaptent à la réalité de l'homme autour de lui. C'est ça en fait. Les langues sont culturelles. Ça a un nom. It has a name. On appelle ça ampoule. Ça là, puisque ce n'est pas ça, on appelle ça courant. It is called ou fil électrique. Or electric. Ça là, c'est qui soutient ça? What holds this? Ça s'appelle poteau. A pillar. Ou bien latte. Or wood. Hein? Bon, maintenant, il n'y a aucune langue où on appelle ça latte. 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 L'arbre, latte. Le soleil, latte. L'oiseau qui vole là-bas, latte. La montagne où on est, latte. L'eau, latte. Il n'y a aucune langue comme ça. Chaque langue humaine traduit un son pour une réalité physique. Est-ce que vous comprenez? De l'apôtre Paul avait remarqué que les frères, certains frères parlaient en langue et ils ne donnaient pas des sons distincts. Ce n'était pas des langues distinctes. Et l'apôtre Paul a donc enseigné sur ça. Il a dit que si ton parler en langue n'est pas clair, tu es un barbare. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce qu'il n'existe pas une langue. It exists no language. Qu'est-ce que bababa de gauche à droite? Baba, left to right. Donc, ton parler en langue doit être intelligible et non inintelligible. Chacun doit examiner son parler en langue. Everyone must examine his speaking in tongues. Est-ce que quand je parle en langue, when I speak in c'est tongues, clair? Is it clear? Maintenant, lorsque quelqu'un parle en langue, now when someone speaks in tongues, l'apôtre Paul dit qu'il s'édifie. Et celui qui prophétise édifie l'église. Elle explique que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Pourquoi? Parce que quand je parle en langue, je m'édifie. Je parle en esprit et je rends d'excellentes actions de grâce à Dieu que personne d'autre ne peut comprendre en dehors de moi. Si et seulement si and only if j'ai le don d'interprétation des langues. Le don d'interprétation des langues, c'est quoi? C'est un don surnaturel où Dieu donne à un frère ou à une sœur des oreilles spirituelles pour entendre et comprendre le parler en langue des gens. Donc tu peux parler en langue, je comprends ce que tu dis. Toi-même tu n'entends pas, tu ne comprends pas ce que toi-même tu dis, parce que tu n'as pas le don d'interprétation des langues. On les appelle les interprètes dans l'église. Il y a des gens qui ont la capacité, qui ont ce don d'écouter le parler en langue de quelqu'un et d'être capable de dire voici ce que Dieu dit à l'église. Le frère parle en langue et il traduit. Ainsi parle l'Éternel. Il a le don d'interpréter. Une telle personne, lorsqu'elle parle en langue, moi quand je parle en langue, je connais ce que je dis. When I speak in tongues, I know what I'm saying. À cause du don d'interprétation des langues, je sais ce que je dis. I know what I'm saying. Si c'est une lamentation, je sais. If it's si c'est une intercession, je sais. Si c'est une action I know. De grâce, if it's je a sais. Si c'est un reproche que le Saint-Esprit me fait, je peux être en train de parler en langue, mais c'est un message pour moi-même. L'Esprit de Christ est en train, c'est une prophétie pour moi-même. L'Esprit de Dieu me donne des injonctions. Il me fait des reproches. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu parles en langue, les gens disent non. Normalement, si tu parles en langue, quelqu'un ne comprend pas, ce n'est pas conforme à la Bible. Qui a déjà entendu ça? Hein? Que si tu parles en langue, on doit écouter, comprendre ce que tu dis. If you speak in tongues, you must understand what you non. Say. No. Lorsque tu parles en langue, when you speak in tongues, il y a deux possibilités pour qu'on comprenne ce que tu dis. There are two possibilities for what you're la saying première, c'est que first, tu peux parler ma langue maternelle. You can speak my mother's tongue. Le foufoulde.
Je n'ai pas besoin du don d'interprétation des langues pour comprendre. C'est ma langue maternelle. Je saurai ce que tu dis. Même si je suis un païen. Mais si tu parles le lingala que je ne connais pas, il me faudra le don d'interprétation des langues pour être capable de comprendre ce que tu dis. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a des gens qui ont le don de diversité des langues. J'ai connu un seul frère qui avait ce don de toute ma vie. Et je m'ai prié avec le frère, c'est bon, malheureusement, il est même mort. Donc, il pouvait parler en langue, il parle japonais, il parle chinois, il parle arabe, il parle grec, il parle latin. En une seule fois, il change les langues, il change les langues, il change les langues. Et une maman, une de mes mamans en Ngaoundéré, la femme d'un de mes pasteurs, mes pères, elle était à Bamenda. Et il y avait, je vous parle du vrai parler en langue, vous comprenez, le vrai. Parce que si tu fais le faux, il faut arrêter. Si tu souffres de l'usurpation de la langue, tu arrêtes, tu te repens, tu demandes à Dieu de te baptiser. Que le vrai Saint-Esprit descende. Ma maman là était à Bamenda. Et il y avait une vieille maman de Bamenda là-bas. À l'église. Qui priait en langue. Et pendant que... Non, c'était un frère. Le frère priait en langue. Et la maman a grandi au nord. Et le frère s'y priait en Fufuldé. Allah minyetima. Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es mort sur la croix pour nous sauver. L'humanité a été rachetée par ton sang. Gloire à l'agneau. Gloire à celui qui est assis à la droite du Père. En Fufuldé. Elle, donc, comme tout le monde parlait anglais, ne comprenait pas anglais, elle était nouvelle croyante. Elle a dit, ah, enfin, voici mon frère. Donc, après le culte, elle s'approche donc de lui. Elle dit, Kayaway, Yofnimaway. Le frère dit que na wati yude sœur. Le frère dit, qu'est-ce que tu dis comme ça, sœur? Elle dit que minani manane raro la fufulde minotor daro. Il lui dit, I not hear what you say. He said, je ne comprends pas ce que tu dis. Elle dit que comment le tissu me fait ça? She said, how come this man is doing this? Maintenant, pourquoi les gens font souvent ça? Now why do people? Tu vois ta sœur, tu l'ignores. You see your sister. Pourtant tu pries en langue tout à l'heure, tu parles en fufulde. Elle dit que c'est après que le frère lui explique parler en langue. Elle savait que c'est quoi. On lui a donné l'enseignement sur ça. Elle a donc compris. Et elle me dit que la prochaine prière, le frère ne parlait plus fufulde. Elle a tendu l'oreille, ne parlait plus fufulde. Un jour, ma mère m'a rendu témoignage. Quand nous étions à la vraie église, tout ça s'est passé à la vraie église à l'époque. Elle était à Mombo. Elle habitait là-bas. Et il y a une vieille maman qui à l'église a commencé à parler en langue. Une maman Bami, hein. Le Jacques, elle connaît seulement Bami et Pidgin. Français, elle ne connaît pas. Elle n'a rien. Elle ne connaît rien dans les langues. Bami et Pidgin. Just Bami and Pidgin. Ma mère me dit que la maman, la grand-mère, la s'est mise à prier en Hausa. Et ma mère dit le Hausa pur. Le genre de Hausa qu'elle-même, il a fallu qu'elle tende bien l'oreille pour comprendre ce que la mémé disait. Et elle dit, la grand-mère disait en langue, Moïse est venu avec les deux tables de la loi qui n'ont pas pu sauver l'humanité. Mais toi, tu es venu avec ton corps que tu as offert en sacrifice afin de réconcilier l'homme avec son créateur. Elle disait ça en Hausa. Ma mère nous suit en direct. Un jour, peut-être, va témoigner ça. Oh, cette maman ne connaissait même pas dans quelle langue elle parlait. Mais il y avait quelqu'un de cette région qui entendait. C'était sa langue maternelle. C'est ça le vrai parler en langue, mes amis. That is the true speaking in tongues, my friends. Beaucoup ne parlent pas en langue. Many don't speak. Beaucoup in tongues. Imitent. Many imitate. Beaucoup ne sont pas baptisés. Many are dans not le baptized Saint-Esprit. In the Holy Ghost. La Bible dit que quand les apôtres ont été baptisés, when the apostles were baptized, il y avait la fête de la Pentecôte. There was the feast of Pentecôte. Il y avait beaucoup d'étrangers. A lot of strangers. Chacun reconnaissait sa langue. Everyone recognized his language. Hein? Les Arabes reconnaissaient. Ils entendaient les apôtres parler en arabe. They heard the apostles Crétois, speaking in Perse, Mède.
Élamites, dans beaucoup de langues. In many languages. Ils étaient 120, multitude de langues. Quand on entrait dans la chambre, oh, ce n'était pas que tout le monde, Paul et Pierre est dans Charabababa. Barthélemy, Chabara, Bara, Bara. Qui? Simon, Baba, Baba, Baba. Et Thomas dit Charabo, Bobo, Bobo, Bobo. Et toute la salle est chevée, Baba, Baba, Bobo, Bobo, Baba, Bobo. C'est pas le parlant langue. That's not speaking in tongues. Non, non, c'est pas le parlant. That's not speaking in tongues. Si tu parles en langue, if you speak tu te rends compte que tu dis les mêmes choses depuis des années. Répands-toi. Yes, demande à Dieu de te donner le vrai baptême dans le Saint-Esprit. The true baptism in the Holy Ghost. Lorsque tu parles en langue, when you speak in tongues, en fait, on ne comprend pas ce que tu dis. You don't understand what you mais on say, est convaincu but we are convinced que c'est une langue vivante. That is a living language. C'est ça? Mais dans notre génération, les gens se sont tellement rattachés à la cacophonie glossolalique, les charababa, que lorsque quelqu'un parle donc vraiment en langue, on dit qu'il ment. C'est la langue de sa mère. Et ça ne dit rien à personne. Pourquoi quand toi tu dis charababa, personne n'a jamais dit que c'est la langue de ton père? Parce que même les gens savent que ça ne ressemble à rien. Maintenant, quelqu'un parle en langue, ça ressemble à l'âme de ta mère. Les gens ne comprennent pas que me rendre témoignage que ce qu'ils disent n'est pas le parler en langue. Partout où je suis passé, hormis la vraie église, les gens n'ont pas su que je parle en langue. Quand je chante, il y a les gens qui sont sûrs que je chante. Quand je parle beaucoup de langues en plus, ça confond les gens. D'autres disent que je chante en latin. D'autres que c'est le foufoulé. D'autres disent que c'est le haoussa. Parce que l'Esprit de Christ n'habite pas en eux. Because the Spirit of Christ does not live in them. L'apôtre Paul dit quoi au verset 10? What does Apostle Paul say in verse 10? Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Quelqu'un d'autre, 1 Corinthiens 14, 10. Je veux un lecteur qui peut rester debout. Donc, donne le micro. Déplace-toi vers le micro, ma soeur. En Corinthiens 14, verset 10. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'est en aucune que... Trouvez un lecteur. Il n'est en aucune qui... Non, ça va. Trouvez quelqu'un qui lit en français. Va, va, va lire ma fille. Va là-bas. Va. Amen. Amen. Vous voyez, quand on a été baptisé dans le Saint-Esprit, when we were baptized in the Holy Ghost, j'avais mon ami de prière qu'on I appelait had my Marius. Prayer friend called Marius. Je suis rentré I returned de, du lycée. Je faisais quatrième. J'ai sorti la cinquième. Coming out from two. Et on m'a dit que Marius a été baptisé dans le Saint-Esprit. They told me Marius was baptized et il parlait en langue. And he was speaking in tongues. Il parlait en langue, il parlait en langue. He was speaking in tongues. Et j'étais content pour lui. I was happy j'ai for fini him. De célébrer. I finished celebrating. Son baptême dans le sein de ce, j'allais pleurer. Je m'enroulais par terre, mes amis. Je jeûnais sans rien manger. I fasted without Seigneur, baptise-moi dans le Saint-Esprit. Lord, baptize me in the Holy aujourd'hui, Ghost. Les gens ne cherchent plus le baptême today, dans le Saint-Esprit. People don't seek for baptism tu ne peux pas voir un couple qui va s'enfermer dans une église. You cannot see que Seigneur, tant que je ne parle pas en langue, on ne descend pas. That's Lord, nous, c'est comme ça qu'on faisait. Tongues, c'était le did. Deuil. Tu ne parles pas en langue, c'est le deuil. Un jour, je servais, puis c'est moi qui préparais la nourriture de tout le camp. Et je servais mes parents sur la table. Un jour, je suis venu pour servir. Mon père spirituel, mon pasteur m'a demandé que, est-ce que tu parles déjà en langue Ferdinand? J'ai dit non. Il m'a dit, il faut le camp. Non. Les hommes charnels ne servent pas sur cette table. Je ne me suis pas fâché contre mon père. Si c'était toi, la lettre de mission suit. Il m'appelle homme charnel. Le mec qui est malade. En public. Me mes amis, je me suis retiré, je suis là. Je ne veux plus être l'homme charnel. Baptise-moi dans le Saint-Esprit. Je ne mange plus. Je meurs ici. J'ai crié à Dieu. I cried to God. Donc, Marius, je rends, on me dit qu'il a le Saint-Esprit. So Marius, I returned, et et il the Holy parle Ghost. D'abord un peu pour que je comprenne. Je vends un peu avec son parlant là. Avec son Saint-Esprit. Il parle en langue. He speaks in tongues. Après, je me suis mis à pleurer. After je crie à Dieu, crie. I cried to God. Have mercy on me, Lord. Oh, Seigneur. Oh. Et Marius passe, il passe, il parle, il va aux toilettes, il parle.
C'est sur la montagne ici. Oh non, au pied de la montagne ici que Mommy avait été baptisée dans le Saint-Esprit. It's at the foot of this mountain Mommy was baptized in the Holy Ghost. Avant qu'on vienne sur la montagne, c'était la retraite sur la montagne. It was retreat on the mountain. Le jour là, that day, quand on arrivait, when we arrived, elle était trop faible. She was too weak. Quand on a prié pour le baptême dans le Saint-Esprit, when we prayed for baptism in the Holy Ghost, c'est moi qui priais pour elle. I was praying for her. Je prie, elle parle pas en langue. I pray, she's not speaking in tongues. Après, je lui ai dit, bon, écoute. I told her, listen. Je te donne 5 minutes. I give you 5 minutes. Si tu ne parles pas en langue, if you don't speak in tongues, je vais te quitter. I'll je pars. You. I'll go. Je vais te laisser seul ici. I'll leave you alone here. Parce qu'il faut que ton cœur soit brisé jusqu'à un certain niveau. Your heart needs to be broken to a l'esprit certain de level Dieu descende. For the spirit of God donc c'est to ce déclic down que j'ai provoqué en elle. So that's what I provoked in her. Il y a un déclic, il y a un niveau de brisement que tu dois atteindre pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Le vrai. Mais si tu veux l'autre là, but if you want that other one, it is simple. Bon, charaba. Tout le monde peut le dire. Everybody can say. Donc, so, et quand elle s'est mise à parler en langue, elle a parlé en langue au point où on lui dit arrête, interpelle avec nous. Elle s'est même retirée du groupe. Elle était comme ça. Elle prie en langue. Elle a prié en langue toute la nuit. Le matin, on était chez le prophète Martial, Séné, parce qu'il habitait en Colmeyan ici. Le matin, quand nous montons ici, Mommy est montée en courant. Mommy climbed running. Elle courait en parlant en langue. Elle a couru jusqu'à là. Et nous, on lui disait que nous-mêmes, c'était comme ça au début. Us also, it was like that in the beginning. Là, c'est le miracle de ceux qui viennent, nous venons dans le bateau, dans le Saint-Esprit. Vas-y, nous, on vient doucement. Go on, we are coming slowly. Donc, Marius, so Marius, son parlant là, c'était many passing, many passing, many passing and passing, and Lord Jesus Christ in the heaven. Power. Passing, power. Patient and passing and patient and passing. Donc un jour, je lui ai dit que frère, one day I told him, bro, après la prière, j'ai dit que after prayer, toi, c'est, pourquoi ton parlant là, c'est toujours many patient, many passing and passing and patient in the heaven. J'ai dit que in the heaven, c'est pas l'anglais. Il me dit, oh, tu veux qu'il fasse comment? Ceci, c'est que Dieu m'a donné. Je lui ai dit que non. Ta part là, c'est un peu différent pour nous. Your own is a little bit different from après, ours. Il a confessé qu'il imitait. After he confessed, he was il a confessé lui-même qu'il imitait. He confessed, s'est repenti devant Dieu. He repented. Il a dit, c'est quelle langue que tous les jours? Donc, finalement, à l'église, finally, quand tu disais church, à quelqu'un que tu connais le frère Marius, you know, non, je ne connais pas. You know, tu ne connais pas Marius comment? Marius non, non, il est géant. Non, many patients, many passing. Ah, mais il fallait me dire qu'aujourd'hui, je le connais. Si c'est many passing, many passing, je le connais. Il y a des gens ici, leur parlant là, on connaît. Oh, tu ne peux pas répéter mon parlant langue. Tu peux glaner quelques mots. Mais tu ne peux pas dire ce que j'ai dit de A à Z lorsque je prie en langue. Comme tu ne peux pas redire ce que j'ai dit en français. C'est ça le signe que ta langue est vivante. Mais si tout le monde connaît ton parlant langue. Attends, tu entends là. Il va commencer par passing, et c'est passing qui va suivre. Alors, tchat. Many passing, and many passing, and passing, and passing. Et il pleure, il a pris ça avec les larmes. Oh, many passing, and many passing. Many passing, and many passing, and passing, and passing, and passing, and passing. And passing. Lord Jesus in the heaven. C'est pas ça le parler en langue. That's not speaking in tongues. C'est pas le parler en langue biblique dans tous that's les cas. That's not the biblical speaking in tongues. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Lorsque when nous voulons servir Jésus, you want to serve servons-le Jesus, avec humilité let us serve et de la bonne façon. And in the right way. Il ne faut pas. Il y a des gens qui ont des écoles du parler en langue. Schools of speaking in tongues. On t'apprend, dis bah. Tu dis bah. You, say baba. Baba, bo, babi, bi, bababi, bababi. On n'apprend pas à quelqu'un à you parler en langue, c'est le don du Saint-Esprit. It is a gift of the Holy Ghost. La Bible dit que the Bible says that chacun de parler, every one of them spoke, il y a des langues de feu tongues of fire, qui sont descendues sur eux. That came down on them. Et chacun d'eux s'exprimait selon que le Saint-Esprit
leur donnait s'exprimer. Donc le baptême dans l'Esprit, le parler en langue ne vient pas d'un homme. Ce n'est pas la volonté d'un homme. C'est l'Esprit de Christ qui te donne le parler en langue. Et la Bible dit que c'est des langues de feu. The Bible says they are tongues of fire. Des langues de feu. Tongues of celui fire. Qui parle en langue parle une langue de feu. Speaks a tongue of fire. Des langues de feu. Tongues of fire. C'est-à-dire que c'est des langues dangereuses qui commettent des dégâts dans le règne de Satan. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et ce qui te fait savoir qu'il est là, c'est quand tu parles en langue. Si tu ne parles pas en langue, mon ami, j'ai pitié de toi. I sorry you. Tu es pauvre. You are poor. Tu es misérable. Tu devrais crier à Dieu sur la montagne ici. Seigneur, baptise-moi dans le Saint-Esprit. Je veux parler en langue. Je parle en langue. Quand tu parles Ewondo. I speak in tongues, you speak Ewondo. Oh Moruam, Azambawam, Moruam, Azambawam, Moruam, Azambawam, Moruam, Azambawam, Za, Za, Moruam, Azambawam, Za, Za, Moruam. C'est le blanc que tu peux tromper. Ici, là, on sait que c'est le. It is white man you can deceive. Here we know it's Ewondo. Ça ne passe pas. Oui. Oui, ma fille. Vous avez dit le verset 10, oui. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues. Oh, hallelujah. Il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Intelligible, oui. Si donc, je ne connais pas le sens de la langue. Attendez, on a commencé à lire à quel verset? Verset 10. Non, non, verset 4, non. 4 va 4, servant du Dieu vivant. Va 4. Les pasteurs me suivent. Pasteur est-ce qu'il y a une église Holy Baba ici? Il y en a. Nous, quand on était à l'église, quand tu es au séminaire de théologie, quand tu arrives à l'école, Holy Baba, chaque charababa, Holy Baba. Je ne dis pas que Baba ne veut pas signifier quelque chose. Chez nous, même Baba veut dire le Père. C'est ça, non? Oui, mais on dit seulement que si pour toi, tout ton parle là, c'est Holy Baba. Là, c'est un problème. Then it's a problem. Mm. J'ai tellement vu des choses avec l'histoire de parler en langue, je vous assure. Pendant ces petits nombres d'années que j'ai passé avec le Seigneur. Oui. Verset 4. C'est lui qui parle en langue. Attends. J'étais nouveau converti. Lorsque on m'a parlé du baptême dans le Saint-Esprit, je découvre le parler en langue d'abord comment brutalement. J'étais avec un jeune serviteur de Dieu, Bernard, qui est même mort aussi. Et cet homme de Dieu parlait en langue. Et mes amis, c'était agréable. Le vrai parler en langue, c'est ça. C'est beau. Mon père spirituel, mon pasteur, chez qui j'habitais, je ne sais pas combien de jours j'ai jeûné, prié que Dieu me donne son parler en langue. C'était, il parlait, c'était cross, c'était croustillant, cross. C'est-à-dire, il parlait, tu sais quoi, les mots sont artistes. C'est-à-dire, il se vantait lui-même. C'est-à-dire, on prie. Quand il parle en langue, tu baisses d'abord le volume pour profiter un peu de la beauté de sa glossolalie. Tu sentais une. Et j'avais notre papa, David Tamsa, lui, c'était comme le Lingala. Ah non, c'est pas ton chababa ici. Le gars, il parle. C'est varié. C'est beau. Beautiful. Tu vois la puissance de Dieu dans le parlant langue. Je vais vous montrer pourquoi on parle en langue. Je vais vous expliquer pourquoi. Dieu nous a fait parler en langue. Il y a quelque chose que je voulais dire. Il y a quelque chose que je voulais montrer. Bon, ça va revenir. Il y a quelque chose que je voulais montrer. Quelque chose d'important. Oui. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Voilà. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, mes amis, c'est un ami fidèle. C'est un confident. Le Saint-Esprit. Il faut être baptisé dans le Saint-Esprit pour vivre ces choses. Tant que tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, tu ne connaîtras pas l'amitié du Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'avantages. L'Esprit de Christ, quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, il parle avec toi comme un homme parle avec son ami. Tu entends sa voix. C'est ça que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. L'Esprit de Dieu te parle. Donc, mon frère Bernard, je l'entends, il parle en langue. Je lui dis que c'est quoi ça? Il me dit que c'est le parler en langue. Et il m'explique dans les Écritures le parler en langue. Je suis entré dans ma chambre. On était encore les vacances. Je venais de sortir le cinquième.
I was just from Form 2. Et j'ai pris mon cahier. I took my book. Tu dors. Ah, tu ne touchais pas la parole. J'ai pris mon cahier avec le bic. Et je suis venu, je me suis assis à côté de lui. I sat beside him. J'ai dit, vas-y, donne-moi l'alphabet. Il dit de quoi? Il dit de parler en langue. I said, il s'est mis tongue. À rire. He began to laugh. Il m'a dit, on n'apprend pas. He told me we don't learn. J'ai dit, ça vient comment alors? I said, il dit, tu demandes Dieu, te le demande à Dieu. Ask God gives you, ask God. Et je ne croyais pas. And I did not believe que tu peux, that you can, par une prière, by prayer, te mettre à parler une langue que tu n'as pas apprise à l'école. You did not learn in je ne croyais pas en ça. I did not believe it. Hein, Aïcha? Je t'assure, je ne croyais pas. Lève-toi alors. Lève-toi, va derrière. Donc, un jour, je rentrais avec lui. Et on chantait ce chant. J'aime cet homme de Galilée. Il a fait beaucoup de choses pour moi. Il a pardonné mes péchés. Il m'a donné son Saint-Esprit. J'aime cet homme de Galilée. De Galilée. Et je chantais plus que lui. Il m'a dit, oh, oh, oh. Arrête. Said, oh, stop. Je dis que c'est quoi? I said, what is wrong? Il dit que tu mens. He said, you're lying. J'ai dit que j'ai menti. Oh. I said, why did I lie? Il dit que tu chantes là sur le mensonge. You're singing is a lie. Est-ce que tu parles en langue? Do you speak in tongues? J'ai dit non. I said, dis comment tu dis que il m'a pardonné mes péchés, il m'a donné son Saint-Esprit. Il t'a donné ça où? Why did he give it to you? Il me dit, voici comment toi tu vas chanter. J'aime cet homme de Galilée. Il a fait beaucoup de choses pour moi. Il a pardonné mes péchés, la 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 la. J'aime cet homme de Galilée. Il dit que là où il y a le Saint-Esprit, toi tu what fais la 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 la. Moi je vais dire, il m'a donné son Saint-Esprit. Et j'ai commencé à chanter comme ça, on marchait. Il dit c'est bon, j'aime cet homme de Galilée. Quand on est rentré, je suis allé m'enfermer dans la chambre. J'ai dit à when Dieu return, que je meurs ici là où tu me baptises dans le Saint-Esprit. Je veux aussi chanter le chant là normalement. I also want to sing that song normally. Oui. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même parce que les gens ne comprennent pas. Sauf ceux qui ont le don d'interprétation des langues. Oui. Celui qui prophétise édifie l'église. Parce qu'il parle aux gens. Because he talks to people. Et si pas l'Éternel, il parle dans une langue usuelle pour que tout le monde comprenne. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Je désire que vous parliez tous en langue. Je désire que vous parliez tous en langue. In tongues. Je désire. I desire. Moi aussi. Also. Que vous parliez tous en langue. That you all speak in tongues. Vous savez, quand j'ai donné ma vie à la vraie église, j'avais environ 16 ans. Mais nous avions des enfants, la pépinière. Des enfants peut-être de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui jouaient. C'est-à-dire que quand on a prié, en fait, le fils de mon pasteur s'appelait Darius. C'était un voleur. Et c'est grâce à son vol que j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Thanks to his theft, I was baptized in the Holy Ghost. S'il ne volait pas, je ne serais pas baptisé dans le Saint-Esprit. I wouldn't be baptized in the Holy Ghost. Son vol m'a sauvé. His theft saved. Donc Darius, so Darius, quand on gênait, when we were fasting, Darius tourne derrière la maison, tu le suis pas en train de manger. Darius turns behind the house, to surprise him eating. Tu laisses ta nourriture, tu ne vas pas retrouver ça. You leave your rapide food, you comme Darius, il n'y avait pas. Le gars pouvait finir une mamie de nourriture. You could finish a pot of food. Un jour, j'ai acheté mes bakourou. Vous connaissez les bakourou, non? Des crayons sans gomme là. Qu'on fait au nord, avec Zarachi là. J'aimais trop ça. J'ai acheté. So much. I bought it. J'ai déposé ça sur mon lit. I put it on my Et je suis sorti bed. Par la toilette. I went out au toilette, toilette, je me suis rappelé que Darius est rentré de classe. Darius came back from le school. Temps de venir, time to come, ça avait disparu. It had disappeared. Je sors, Darius. I go out, Darius. Mais Bakuru. My Bakuru. Il dit, je n'ai pas vu. He said, I've il dit, attends. I said, wait. Dans toute la maison, on n'est que deux. In all this house, il m'a dit, ah, two. C'était dans un plastique transparent. J'ai dit, was oui. Il me dit, j'ai vu une grosse souris en train de passer, en train de tirer ça. I saw a big rat passing and dragging. J'allais dire que quoi? What would I have said? C'est parti. Donc, c'est ce Darius. So it is that Darius. Le jour où on priait sur nous, on était dans la pépinière à l'école du dimanche. On us, le jour où on priait pour le baptême dans le Saint-Esprit, in
Darius, le voleur, Darius the thief, était mon voisin de banc. Was my bench neighbor. Et on criait, Seigneur, donne le Saint-Esprit. Moi, au lieu de prier, c'est de mon Saint-Esprit. Ma prière, c'était esprit de doux, je te chasse au nom de Jésus. Parce que j'avais les yeux ouverts, je guettais qu'il va descendre comment. Moi, je venais sortir l'islam. J'étais un nouveau converti. Eux, j'étais né dans la foi. They were born in faith. Donc, je guettais, dit qu'il va descendre, il sera bien comment. Il va venir de quel côté. J'ai dit que ça va même commencer comment quelqu'un, vraiment les gens. Quelqu'un va parler en langue, tu parles une langue que tu n'as pas appris à l'école. Je vais aussi voir ça aujourd'hui. Après, j'ai dit, esprit de doute, je te chasse au nom de Jésus. Laisse-moi tranquille, je vais aussi te partir dans le Saint-Esprit. Après, l'autre, toi-même, tu crois en ça comment? How do you believe in it? Il dit, au nom de Jésus, j'étais libre de ça. Les gars étaient concentrés, Seigneur, on veut. J'ai entendu Darius. Parler en langue. Darius speaking in tongues. Non. Ça dit Darius ne parlait pas en langue. Il waitisait en langue. Parlait jusqu'à waitiser. L'esprit de doute lui-même a vu que je n'avais plus son temps. The spirit of doubt itself. Le doute est parti. J'ai dit non, attends. Doubt went. I said no wait. Le voleur. The thief. Il a volé mes backroom dernièrement. My back room. Il parle en langue. He speaks in tongues. C'est que je vais parler l'affaire aujourd'hui. I'll speak that issue today. Les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Started flowing from my mon cœur a été brisé par cet acte. By that action. J'ai dit si Darius le voleur I said if Darius parle the en langue. Speaks in tongues. Non. C'est que je vais parler ma part aujourd'hui. I'll speak my own today. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu est descendu That's sur moi. The je me suis mis à parler en langue. Et toute l'école du dimanche était comme and l'école coranique. Like remplie du Saint-Esprit. Full of the Holy Ghost. Plein de l'Esprit. Full of the Spirit. Et donc notre assemblée, c'était un peu le genre d'église où tu vois un enfant de 10 ans, 15 ans, il est en train de jouer à papa et maman. Et il joue le papa et maman. Le culte arrive. Commencez le culte. Après, tu entends l'enfant dire, ainsi parle l'Éternel à la sœur Julienne. Donc, c'est de l'autre sœur Julienne. Tu as dormi hier nuit chez le frère Arnaud. Pourquoi, ma fille? Tu as dormi hier nuit chez le frère Arnaud. Pourquoi, ma fille? Ça fait que it makes that tu voyais les gens avant d'entrer à l'église. Et que dit, Seigneur, je confesse mes péchés, church. Tout péché que j'ai commis, Seigneur, au nom de Dieu, pardonne-moi, que ton sang me lave, que ton sang me lave. Et entre à l'église. Des révélations terribles. Terrible revelations. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et être une personne ordinaire. You ce n'est pas possible. You cannot have the Holy Ghost and be an ordinary person. It's not possible. Si vous êtes un élève, il vous dira student, les examens qui vont venir. The examinations. Si vous êtes couturier, il va vous inspirer des modèles qu'on n'a jamais vus. En tout cas, l'Esprit de Christ te donne une vie spirituelle supérieure. Il est redoutable. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, tu ne comprends pas la Bible. Ce n'est pas possible, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'un des premiers signes qui prouve qu'il est là, dès qu'il entre en toi, quand tu prends la Bible, tu as la pensée de Dieu dans sa parole. Tu as les rhématis, tu as même les arrêtés rhématis. Il te donne une simplicité et facilité de comprendre la Bible. Je suis allé à Boya à l'époque pour une convention des jeunes quand j'étais aux assemblées de Dieu. J'ai une convention des jeunes. Et j'étais assis, il y avait un jeune homme qui rendait témoignage à côté. Et il parlait. Et j'ai suivi ce qu'il disait. Je me suis aussi approché. J'ai dit, parle-moi aussi. Et il disait, he was saying, ah! Mon Saint-Esprit, my Holy Ghost, il est dangereux. He is dangerous. Je me méfie trop de lui. I'm so careful. J'ai dit comment encore? I said how? Il dit non. He said no. J'ai pas trop confiance en mon Saint-Esprit. I don't trust le my gars Holy est Ghost dangereux. The guy is dangerous. Il me dit que est-ce que tu sais que he tells me, do you know that quand je traverse la route, when I cross the road, mon Saint-Esprit me dit que couche-toi la voiture qui vient là passe sur ton dos. My Holy Ghost tells me lie that they can't. Et j'ai dit à mon Saint-Esprit que non, je veux mourir. And I tell my Holy Ghost, no, et I mon Saint-Esprit me dit non. My Holy Ghost tells me no. Tu vas pas mourir, il va te redresser seulement la colonne vertébrale. Et il dit que donc, ça fait que quand je traverse la route, je me méfie de mon Saint-Esprit. Quand je vois une voiture venir, j'attrape le poteau. Parce que je sens comment mon Saint-Esprit me pousse pour aller tomber sur la voiture là. My Holy Ghost pushes me to go and fall on that car. Lorsque tu parles une langue de démons, parce qu'il y a la langue des démons. Demons, les démons
donne aussi le parler en langue. Demons also give speaking in tongues. Si tu as une langue de démon, if you have a les gens se demandent souvent, ah, comment savoir si c'est l'esprit de Dieu ou bien si c'est le démon. Les démons vont t'amener à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Do things contrary to the word of God. L'esprit là va te dire, par exemple, mets ta main dans le feu. That spirit will sometimes tell you, put your hand in fire. Ton teint va changer, ça ne va rien te faire. Your complexion will change, it will not do you anything. Il y a une maman, son Saint-Esprit lui avait dit, her Holy Ghost told her, ton mari ici, ne dors plus avec lui. Don't sleep with him again. C'est ce genre de Saint-Esprit que beaucoup de gens ont. Is that type of Holy Ghost many have? Couche-toi par terre. Elle s'est couchée par terre. She laid on the floor. Par terre. Je lui ai dit, maman, pourquoi tu te couches par terre? Why do you lie on the floor? Mon Saint-Esprit a dit que je ne me couche plus dans le lit avec mon mari. Not to sleep with him again. Par terre. Papa, je viens dire, maman, tu ne pourras pas. Elle dit, non, mon Saint-Esprit a dit que je ne prépare pas mon mari pendant deux mois. Elle ne prépare pas. She will not cook. Un jour, je lui ai dit que, maman, one day I told her, ton Saint-Esprit là va faire qu'on va divorcer de Holy toi. Ghost will make that a divorce you. Et on a divorcé d'elle. And they divorced. Le mari a dit que non, ça c'est une folle. The husband said, no, this is a mad woman. Maman, lève-toi, tu dors. Va derrière. Amen. Donc, si c'est un esprit contraire que tu as, quand l'église était à Éleveur, qui se souvient de l'histoire de la maman qui parlait en langue, le démon qui parlait en langue? J'avais demandé qui peut chasser le démon dans la maman. Une soeur s'est levée. Et la maman là, elle a tourné le dos à la soeur. Turned her back to the sister. Et elle parlait de la sœur vient se mettre debout. The sister comes and stands. Elle est en face. Face à face. Après la maman doit tourner le dos. The woman, elle s'est the mother turned the back and then. La sœur est là. Au nom de Jésus. Démon, sors de ce corps. Sors de ce corps. Maintenant, sors vite. Pardon, sors non. Sors maintenant. Je t'ordonne, sors vite. I command s'il te plaît, sors au nom de Jésus. Please, out in the name of Jesus. La maman s'est tournée. The mother turned. Elle lui dit que ma fille, ce n'est pas ton combat. It is not your c'est le prophète que j'attends ici. It is a prophet I'm waiting for. Elle se tourne encore. Elle dit bougou. La fille dit au nom de en plein culte de dimanche. Sors non, je te donne, sors. I command you out. La maman s'est retournée. The mother turned. Elle a tendu la main. Stretch her hand. La sœur est tombée comme le sac de macabre. The sister felt like a l'onction du démon l'a renversée. The anointing of the heureusement, le protocole l'a rattrapée vite. Fortunately, the ushers caught her fast. On la perdait. We almost lost her. Ah, qui était là? Who was there? Vous avez vu ça à la télé? Voici le bien-aimé qui était. On a failli la perdre. Lorsque ton parler en langue n'est pas authentique, le parler en langue peut venir de trois sources. Le Saint-Esprit, le démon, ou l'imitation. Les trois sources que chacun examine. Pour savoir que la langue que je parle vient du Saint-Esprit, elle doit être intelligible, variée et riche. Elle doit être vivante. Deux, l'esprit que je porte là, la Bible dit, nul ne peut, si ce n'est pas l'Esprit de Christ dit, et Jésus-Christ est Seigneur. Ça ne veut pas dire que quand tu vas te lever, tu dis Jésus-Christ est Seigneur. Ce n'est pas ce que ça signifie. Non. Ça veut dire simplement que personne ne peut par sa vie reconnaître la Seigneurie de Christ en conformant sa vie à Christ si ce n'est pas l'Esprit de Christ. Ta vie ne peut pas dire Jésus est Seigneur si tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous convainc du péché. Donc, mais si toi, ton Saint-Esprit te dit de temps en temps, coupe un peu maillon. Ma fille, coupe un peu maillon. Tu peux tirer même trois sachets de fighter, être vite. Cet esprit, en cela tu sauras que ce n'est pas l'esprit qui vient de Jésus-Christ. S'il te pousse à faire ce qui est mauvais, il te pousse à avoir de mauvaises pensées, tu sauras que ce n'est pas l'esprit de Christ. L'esprit de Christ, c'est la prière, c'est la méditation. Dès que tu es devant la Bible, ton âme tressaille de joie. L'esprit de Dieu tressaille de joie en toi. Quand tu veux prier, quand tu le mets à genoux, tu sens comment la joie déborde en toi. Mais lorsque l'esprit que tu as en toi n'est pas de Dieu, la Bible deviendra ton somnifère. Une sœur m'avait dit que
j'ai l'insomnie. Tous les comprimés ne marchent pas. Mon somnifère, c'est la Bible. Dès que tu es comme ça, je m'évanouis même seulement dans le sommeil. Dès que je me mets à gérer comme ça, c'est le sommeil. Oh, l'Esprit de Christ, sa nourriture, c'est la parole de Dieu. Et la vie de Dieu. Quelqu'un qui a l'Esprit de Christ, quand il passe une journée sans prier, il est malade. Tu ressens l'Esprit attristé en toi. Si tu passes une journée sans lire la Bible, tu sens toujours, va méditer. L'Esprit, vous voyez, tu peux être en train de causer avec des étrangers. L'Esprit de Christ te dit, retire-toi, va prier. Tu dis, excusez-moi, tu vas te mettre à genoux et tu pries. Quand j'étais baptisé dans le Saint-Esprit, quand nous partions au lycée, 17h là, tout ce que le professeur disait là, ma tête n'était pas là-bas. Ma tête était à l'église pour prier. Quand je rentrais et passais à l'église, je m'agenouillais 3 heures de temps d'abord. Et je priais 19h, 6h du matin sans dormir, seul, à genoux. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne peux pas avoir cette force. Parce que c'est une force surnaturelle, c'est une grâce que produit la présence du Saint-Esprit. Et tu as une passion pour la Bible, c'est une folie à la fin. Mais si ton esprit, ton Saint-Esprit, lui quand tu prends la Bible, il te dit, voilà Miranda passe, la beauté du diable passe. Hé, la série a commencé, Jack Bauer. Mon ami, ce n'est pas l'Esprit de Christ là-bas. My friend, that's not the spirit of Christ. Oh, beaucoup de gens souffrent de ces choses-là. Many people suffer of those things. Ainsi parle l'Éternel. Les églises, les gens sont remplis d'esprit de divination. Et pensent que c'est l'esprit de la prophétie. Si l'esprit qui est en toi n'est pas de Christ et tu prophétises, c'est la divination, ce n'est pas la prophétie. L'Esprit de Christ imprimante en toi la vie de sainteté. Tu hais le péché. La haine du péché entre naturellement en toi. Tu n'as pas la force de pécher en fait. Tu n'as pas la force, même si tu veux, tu n'as pas la force. On te met devant le péché, tu n'as pas la force. Et s'il arrive que tu pèches, tu en tombes malade. Oh, l'esprit de l'erreur, quand tu pèches, il te félicite. Et c'est bon, c'est bon, c'est bon. Prochainement, tu vas un peu plus loin. Tu n'as aucun remords. You have no remorse. Quelqu'un m'a demandé comment savoir si Dieu est avec moi. Je lui ai dit, si tu pèches, et ton âme est malade, c'est la présence de Dieu. Mais si tu pèches, et tu es heureux, ça ne te dit rien. Ça veut dire que Dieu t'a quitté. Est-ce que tu veux? Il n'y a pas de haine dans l'Esprit de Christ, mais l'amour de Christ. Quand tu es plein de l'esprit, when you're full of the spirit, tu aimes ton prochain. You love your tu ne peux pas être plein de l'esprit en même temps que tu es calomniateur. You cannot be full tu insultes les gens. Same time you slander, you tu médis des gens. You blackmail people. Tu as la bouche pangoline, serpentine, vipérine. Celui qui a le Saint-Esprit, son comportement change. Parce que l'Esprit de Christ apporte la vie de Christ en lui. Les choses du monde, il ne s'efforce pas à les abandonner. Mais quand tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, tu te retrouveras toujours en train de combattre avec les tentations. Toujours les boîtes de nuit, toujours avec ton ancienne vie. Ton ancienne vie, tu vas toujours te retrouver 6 mois, tu es bien avec Dieu. Après, tu tombes. Tu retombes dans le péché. Tu retombes dans ce à quoi tu as renoncé. Tu montes, tu descends. Oh, l'Esprit de Dieu te maintient de gloire en gloire. Ce n'est plus ta force qui opère, mais c'est celle du Saint-Esprit qui opère en toi. C'est pour ça que tu dois chercher à être baptisé dans That's le Saint-Esprit sur cette montagne. Il te donne une identité. He gives you an identity. Tu deviens un homme. You become a man. Tu portes Christ en toi. You carry Christ in you. On voit le caractère de Jésus-Christ en the toi character of Jesus Christ quand l'Esprit in you, Saint est sur toi. When the Holy Ghost is on you. Qui veut être baptisé dans le Saint-Esprit? Who wants to be baptized in the Holy Ghost? Vous savez, you know, un frère, on priait pour le baptême dans le Saint-Esprit. A brother who prayed for a baptism in the Holy Ghost. Au moment où l'Esprit de Christ descendait sur lui. The moment the Spirit of Christ was parce que quand il vient, him, tu sens, hein, l'atmosphère change you, autour de toi. Atmosphère changes around les choses changent. Things change. Quand il descendait, when he came down,
Le diable dit au frère, the devil told the brother, ton argent, on est en train de retirer ton porte-monnaie. Le gars dit que maintenant. Il a perdu le baptême dans le Saint-Esprit. He lost baptism in the Holy Ghost. Oui, ma fille. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Oui. Celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Je désire que vous parliez tous en langue. Je désire que vous parliez tous en langue, oui. Mais encore plus que vous prophétisiez. Mm-hmm. Mais je vais vous prophétiser tous. Le don de prophétie, c'est pour tout le monde. The gift of prophecy is for le don, je parle du don de prophétie. Mais le ministère de prophétie, c'est une vocation. But the prophetic ministry is a vocation. Mais le don de prophétie, but the gifts of prophecy, tout croyant every doit believer prophétiser. Must prophesy. Tout croyant doit prophétiser. Every believer must devons prophesy. Chercher le don de la prophétie. Must seek for the le gifts don of de prophétie est différent du ministère prophétique. The gifts of prophecy is different from the prophetic la différence ministry. Entre les deux, c'est quoi? Difference between the two is what? C'est que le don de prophétie se fait en langue. Is that the gift of prophecy is done in tongues? Celui qui a le don de prophétiser ne prophétise pas en français ou en anglais ou en langue usuelle. In a usual language. On prophétise en langue. You prophesy in tongues. Dans le don. In the gift. Et il faut que la personne qui prophétise ait aussi le don d'interprétation des langues pour être capable de dire ainsi parle l'Éternel. Quelqu'un peut avoir le don de prophétiser, il parle en langue, et il y a un frère qui lui a le don d'interprétation, qui se lève, qui dit ainsi parle l'Éternel, et vous traduit ce que le frère dit en langue. C'est ça le don de prophétiser. Mais si celui qui a le don de prophétiser a aussi le don d'interprétation des langues, il va parler en langue et il va vous traduire ça maintenant en langue usuelle, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a des gens qui disent que l'apôtre Paul dit, tous parlent-ils en langue? Tous prophétisent-ils? Tous guérissent-ils les malades? Comme pour dire que le parler en langue n'est pas pour tous. Non, mais là-bas, la comparaison n'était pas faite par rapport au baptême, au parler en langue comme étant le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Mais il faisait une comparaison des dons. Il demandait si tout le monde a les dons. Et le don de parler en langue là-bas, c'est le don de diversité des langues. Il ne parle pas du parler en langue comme étant le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Beaucoup de gens sont baptisés dans le Saint-Esprit, parlent en langue, mais n'ont pas le don de diversité des langues. C'est un très beau don, mes amis. C'est un gift, my friends. Don excellent, je vous assure. Excellent gift, I assure you. Rare manifeste la beauté de ce don. Imagine-toi, en fait, c'est des gens à qui Dieu a donné la grâce d'être polyglottes dans le spirituel. Ils sont polyglottes. Ils parlent plusieurs langues. They speak several tongues. C'est extraordinaire, je vous it assure. Is wonderful, I assure. Donc c'est de ça que l'apôtre Paul est en train de parler. Et non pas du parler en langue, où tout le monde a une langue qui parle. Parce qu'il est baptisé dans le Saint-Esprit. Because he's baptized. Maintenant, pourquoi est-ce que nous parlons en langue? Now, why do we speak pourquoi in c'est tongues? Nécessaire? Why is it necessary? Est-ce que c'était nécessaire que nous parlions en langue? Was it necessary for us to speak in tongues? Certaines personnes disent que si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, some ne parle pas en langue, say, tu ne seras pas sauvé. Qui a déjà suivi la doctrine là? Tongues, qui a déjà suivi cette doctrine? Que Dieu vous bénisse. Mais God ça n'a you. Pas de sens. It ça n'a pas de fondement biblique. No parce que le salut, c'est par la foi. Is by faith. Ode elabon auto edoken autois exousia tegnate yugenestai. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, c'est so, par la foi que nous sommes sauvés. It is by faith we are saved. Mais le parler en langue, but speaking in c'est pour faire de nous des témoins. Is to make of us witnesses. Mais pourquoi nous parlons en langue? But why do we speak in pourquoi est-ce nécessaire? Why is it necessary? À cause de la tour de Babel. Because of the tower of Babel. À cause de la tour de Babel, en fait. Il aurait fallu que Jésus-Christ bâtisse une deuxième tour. Jesus Christ had to build a second tour. Parce que en fait, dans le principe du combat spirituel, il n'y a qu'un autel pour détruire notre autel. There is just an altar to destroy another altar. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Il n'y a qu'un autel pour détruire un autre autel. To destroy another altar. Or, pour qu'un autel détruise l'autre autel, il faut qu'il soit plus fort que cet autel. C'est ça, n'est-ce pas? Et la Bible explique dans Genèse chapitre 11 que the Bible explains in Genesis chapter 11, l'autre, on l'appelait comment? Nimrod. Nimrod, bon, la Bible ne parle pas de Nimrod, c'est la tradition qui nous explique ce qui s'est passé. Vous comprenez? Donc, Nimrod, c'était le premier roi sur la terre. On the earth. C'est lui qui a
fait construire la tour de Babel, qui signifie la tour de la confusion ou la séparation. Donc ce Nimrod, c'était un noir. Et la Bible l'appelle vaillant héros devant l'Éternel, vaillant guerrier devant l'Éternel. Mais en hébreu, il y a un jeu de mots. Il y a une sorte de calembour. Il y a un jeu de mots, mais qui marque l'antonymie. C'est-à-dire que le contraire dans le sens. En fait, c'est plutôt vaillant héros contre l'Éternel. La traduction littérale en hébreu. Ça veut dire quoi? C'est un homme qui a construit et bâti le premier empire contre Dieu. Et il a dit aux gens, si Dieu veut encore détruire la terre avec de l'eau, moi je vous protégerai. Construisons-nous une tour où nous allons nous réfugier. Et cette tour a obligé Dieu de venir. Et Dieu a tout fait. Il a tout fait pour que l'humanité arrête de bâtir la tour de Babel. Il n'a pas pu. Comme pour dire que l'unité est une force contre laquelle même Dieu ne peut rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que Dieu réussisse à arrêter leur œuvre, il les a baptisés dans le Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler en langue. Et c'est la première fois que la Pentecôte s'était manifestée. The Pentecost was manifested, mais avec un but. But with a purpose, séparer separate les hommes en nations. Men in action, pour qu'ils arrêtent de bâtir la tour de Babel. Donc la tour de Babel est venue pour diviser l'humanité et la séparer de Dieu. Donc ce premier baptême dans le Saint-Esprit a fait que celui qui parlait Haoussa, quand il vient, celui qui parle a dit que plus même un brique. L'autre dit que Inakwana. Il dit non. Maintenant, celui-ci rencontre quelqu'un qui parle Inakwana comme lui. Ah! Et ils s'entendent. Ils se tiennent la main. L'autre trouve encore notre Haoussa. Les Haoussa se sont rassemblés. Les Fulani se sont rassemblés. Les Anglophones se sont rassemblés. Les Espagnols se sont rassemblés. Ils sont partis chacun dans sa direction. Ils ne se comprenaient plus. Et depuis la tour de Babel, l'humanité a été séparée de Dieu. À cause de sa rébellion. Et pour réparer la malédiction de la tour de Babel et réconcilier l'humanité avec Dieu comme avant la tour de Babel, il a fallu que Jésus bâtisse la deuxième tour qui est la croix, qui serait un pont pour rétablir la communion entre l'homme et son créateur. Et il fallait donc le deuxième baptême dans le Saint-Esprit, la deuxième Pentecôte, qui cette fois-ci marquait l'unité de tous ceux qui croyaient à Christ comme appartenant à un seul Dieu et formant un seul peuple. Parce que nous tous qui parlons en langue, nous sommes abreuvés par le même esprit, parlant la même langue spirituelle, formant désormais un seul et même peuple pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc la croix a réparé ce que la tour de Babel a divisé. La croix est venue réunifier l'homme avec son créateur. Oui. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Oui. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Oui. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation? Maintenant, si je ne vous parlais pas par révélation, révélation, vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? La prophétie fait partie de la révélation. Dieu m'a montré telle chose, Dieu m'a montré telle chose. Ça, c'est le fort des pentecôtistes, la révélation. Le philosophe Montaigne a dit, à partir du moment où les hommes se sont avisés de faire parler Dieu, chacun l'a fait parler à sa façon. Le pentecôtiste, matière de base, Dieu m'a révélé que... Dieu m'a montré. God showed me. Dieu m'a dit. God told me. Frère, le Seigneur m'a parlé. Brother, the Lord spoke to me. Et je dois te parler. And I have to talk to Et you. Et les pentecôtistes ont une certaine conviction quand ils te parlent. They have a certain conviction when they talk to you. Un frère, un pasteur. A pastor. À l'époque, j'étais encore Mugu. In the past, I was still a Mugu. Il vient me voir. He comes and il says dit, prophète Kane. Tells me, prophète Kane. Le Seigneur m'a parlé cette nuit. The Lord spoke to me this night. Sur toi. On you. Tu seras béni. You'll be blessed. Tu seras
assurément béni. You'll be greatly blessed. Dieu m'a dit. God told me. Tu seras béni. That you'll be blessed. Tu es même béni déjà. You're already blessed even. Ça a déjà commencé. It has started. Et il m'a dit. And he told me. Que comme je n'ai pas de ration cette journée, on n'a rien mangé à la maison. Avec Esther. At home with Esther. Si tu fais une offrande qui te coûte an offering that costs you, et que je mange and I eat, et que ta mère mange à la maison and your mother at home eats, cette prophétie, this prophecy, Allah wallahi, sumatallahi, tu vas voir ça. You'll see it. Moi aussi je mets la main dans la poche. I also put my hand in my pocket. Je sors tout ce que j'ai chez toi. I bring out all what I have et and I give. He says amen. Et il part. And he goes. Une semaine après, il revient encore. One week after he comes back, il attend que l'émission finisse. He waits for the program to stop. He says, "Prophet." Dieu est encore revenu. God came back again. Et j'ai encore vu. And I saw again. Dieu m'a dit. God told me. Qu'il te donne Yaoundé. That he gives you Yaoundé. Tout Yaoundé là, c'est pour toi. Yaoundé tout Yaoundé is for you. All bastos. Tout ça, all is yours. Il m'a dit. He told me. Il sort l'argent, 100 francs. Comme il me reste 100 francs. Since I'm left with si tu poses une offrande if you place sur les 100 francs, on this 100 francs, tu vas voir. You'll see. Je mets la main encore. I see put bête my comme j'étais again. À l'époque. God, as I was in that time, I gave. Un autre jour, il vient encore. Another day, he still comes. Dieu m'a parlé. God spoke to me. J'ai dit que vas-y. I said, go on. À la fin, il dit que Dieu a dit. At the end, he says, si God tu said, fais une offrande spéciale, if you do a special offering, tu vas voir. You'll see. Il a dit que non. I said no. Va dire à Dieu qu'aujourd'hui je n'ai rien. Go and tell God today I don't have anything. J'ai reçu un groupe de pasteurs à la maison. I received a group of pastors at home. Ils sont venus. They came. J'ai reçu. I received them. Et me dit prophète. They told me prophet. Le Seigneur nous a envoyé vers toi. The Lord sent us to you. Oui. Non, ils ne parlent pas violemment. Ils parlent. Oui. They don't speak violently. Il commence par te révéler d'abord comment le Seigneur lui avait parlé pour tel. Il a dit c'est arrivé. Le Seigneur lui avait parlé pour tel. Pour Monique, c'est arrivé. Pour Jean-Benoît, c'est arrivé. Il dit c'est ton tour maintenant. It's your turn now. Il dit nous voulons faire une grande cérémonie. Il nous faut 6 millions. We want to do a great ceremony. We need 6 et pendant millions. Que nous étions dans la prière, and while we were in prayer, le Saint-Esprit est descendu. The Holy Ghost came down, et il s'est fâché contre nous. And got angry with et il a dit us, mes serviteurs. And said, my servant, pourquoi souffrir dans la prière? Why do you suffer in prayer? Quand votre argent entre les mains du prophète Ekané, mon serviteur. When your money is in the hands of prophet Ekané, my servant. Allez le voir. Go and see et il vous donnera votre argent. And he will give you your money. Prophète. Prophet. Nous vous savons comme un homme très obéissant we au Seigneur. We know you as a very obedient man to un the Lord. Un homme au grand cœur. A man with a great heart. Qui a toujours le cœur dans la main. Moi. Always donc moi, tiens le cœur dans hand. La main. Et nous savons que vous allez obéir au Saint-Esprit. We know you obey to the Holy Ghost. Et j'ai écouté. And I listen. J'étais déjà sage. I was already wise. Quand c'est comme ça, je ne parle pas, je ne t'interromps pas. When mais that, tu veux trois heures de temps, je marche avec t'écouter. Tu as fini. À Timmini, là. Oh, mais Timmini. Ok, c'est fini. Is it finished? Vous n'avez rien à dire. You have nothing rien. Else to say. Nothing. La révélation est finie. Is the revelation completed? It is okay. Finished. Ok. Allez, Dieu Saint-Esprit. Go and tell the Holy Ghost that les 6 millions ne sont pas encore arrivés chez moi. The 6 millions have not yet reached me. Et dis-le comment? He said how? J'ai dit non. I said no. Allez. Go. Quand ça va arriver, je vais vous appeler. I will call you. Ils sont partis, c'était mercredi. They went, it was a vendredi, Wednesday. J'étais devant mon portail. Friday, in front of my c'était gate. Devenu l'agression. It became an aggression. Ils viennent. They come. Ils disent qu'on est venu. They say we parce have que come. La cérémonie, la dimanche, on doit avoir ça plus that ceremony, later Sunday, we je must leur ai have dit it. Que, frère, I told them that, je brother, vous ai dit I've told you quand le Saint-Esprit va amener vos 6 millions, that when the Holy Ghost will bring your 6 millions, I will call you and give it pour to le moment, you. Peut-être en route for the encore, moment, maybe mais he's n'est pas still encore on the arrivé way, à la maison. But ici. He does not yet reach home here. Ils sont partis. They went. Oh, le Seigneur m'a révélé. Oh, the Lord revealed to me. Tu es ma femme. You're my wife. C'est toi mon mari. Ils se marient, ils ne font pas 6 mois de divorce. They get married not 6 months and they divorce. Beaucoup de mes fils. Et des filles sont tombées dans ce piège. Je suivais une de mes filles à l'époque. I was following one of my daughters in the past. Un de mes fils vient. One of my sons papa, come. Daddy. Le Seigneur m'a parlé. The Lord spoke to me. Je suis ma sœur là.
On that, my sister. Dieu m'a dit, mon fils. God told me, my son. Ou tu l'épouses ou tu meurs. Either you marry her or you die. Je lui ai dit que non, mon fils. I told him no, my son. Ce que tu veux faire là n'est pas bien. What you want to do is not good. La sœur là. That sister, c'est mieux que tu la laisses tranquille. You leave her. Sinon, papa, pourquoi on fait ça quand oh, no, Dieu parle? Why do you do faut that? Obéir. God speaks, you have j'ai to tout fait. L'enfant a dit non. I did everything. J'ai dit, okay, go, said, no. go. I said, all right, pa. Go. Il allait voir la sœur. Ils ont went commencé. To see la sœur a accepté. The sister accepted. Un mois après, il revient me voir. One month later, he comes to see il me. Il me dit, je ne peux plus. He tells me I can't. J'ai dit que tu vas peu. I said, you will. Retourne épouser ma fille. Go back and marry my daughter. Va l'épouser vite. Go and marry her fast. Non, je ne peux pas. I cannot. Tu vois pourquoi? Papa? Why? Daddy? Moi j'ai 21 ans. I'm 21 years old. La soeur 43 ans. She's 43 years old. J'ai dit que I said tu as dit que Dieu t'a dit non? You said God told il dit oui you. Mais Dieu ne m'avait said, pas donné yes, son âge. God did not give me her age. C'est ça les pentecôtistes. Those are the Pentecostals. Ils ont toujours une raison pour justifier they leur fausse prophétie. Reason to justify toujours their une raison. Prophecy. Always a reason. Un frère est venu trouver une soeur. A brother came to see a il sister. Lui a dit, sœur Angela. So, sister Angela. J'étais sur la montagne. I was on the mountain. L'ange est descendu avec la robe blanche. The angel came down with a white robe. Et il m'a dit, mon fils. Told me, my son. Regarde Angela. Look at Angela. Prends-la. Take her. Je te la donne. I give her to you. La sœur Angela lui dit que non, moi je sister ne Angela veux pas. Tells him, no, I don't want. Il demande à Angela que tu es malade. Ask Angela, are you qui mad? Es-tu pour résister à la voix du Saint-Esprit? Who are you to resist to the voice of the Holy Ghost? Saint-Esprit te dit que tu es ma femme et the tu résistes. Says, you're my wife and you resist. Qui es-tu? Who are you? Pour rendre tortueuses les voies droites du Seigneur. To bend the straight ways of the Lord. Angela dit non. Angela non. Says no. Il dit, Angela dit ma vie. My life. Elle pleure. She cries. Il lui dit. He says, il n'y a rien que le Seigneur ne peut pas effacer. There is nothing the Lord cannot wipe. Dis-moi tes problèmes. Qu'est-ce qui te chagrine? Tell me your problems. La sœur lui dit you? Que the sister says that avant d'avoir 16 ans, before having 16 j'avais years, couché avec 203 hommes. I had slept with 203 men. Le frère regarde ça. Your brother looks like this. Il dit que, He says yes. Elle dit que je suis allé faire les examens. I went to do check-up. Finalement, on m'a coupé les deux troncs. Finally, they cut my two fallopian tubes. Le frère parle en anglais, il dit shakata. The brother speaks in tongues. La soeur, je l'ai dit. Et en plus, tu as dit que j'ai le VIH. Et dit mbunganga kaka koukoko. Elle avait fait la tête tournée. Elle dit en plus. On m'a diagnostiqué un cancer de l'utérus. On dit qu'il me reste 6 mois à vivre. Elle a entendu seulement chaque attaque. Bam. La porte s'est fermée. The bam. Le gars est sorti the en courant. Went out running. God forbid, God forbid. C'est ça les pentecôtistes. Those are the Pentecostals. Va dire à la fille que je t'aime. Go mets pas Dieu God dedans. I love you. Don't put God inside. On n'épouse pas quelqu'un avec Dieu a dit que c'est des bêtises. C'est des bêtises. J'étais à Bafoussam à l'époque. I was in Bafoussam dans les années 2002. In the years 2002. Je me suis arrêté chez papa Tim à Bafoussam. C'est même papa le restaurant de CMCI à l'époque. J'étais chez lui. I was in et donc house, la prière de 6 heures, moi je me réveillais à 5 heures pour prier d'abord, individuellement. I woke up at et donc, il y avait une jeune soeur à la maison. There was a young sister at home. Et elle a remarqué que je venais d'arriver. I just came. Elle a remarqué que je me levais à 5 heures pour prier. Elle a commencé à se réveiller aussi à 5 heures pour prier. Donc je priais, j'ai prié aussi à côté. I was praying, she was also praying beside. Un jour quand j'ai fini la prière, je suis en train de lire ma Bible. Elle est venue s'adosser. Elle s'est appuyée. Derrière moi. She leaned behind me. Comme ça. Like this. Elle me dit frère. She told me brother. Et si le Seigneur. And if the Lord. Me disait que tu es mon mari. Told me you're my husband. À l'époque, il savait que le mariage c'est quoi? In that time, what do I know marriage was? J'ai dit pardon. I said pardon. Elle dit, et si le Seigneur me disait she que c'est toi mon if mari? The Lord told me it's you my husband. Je lui ai dit qu'il a dit. I said, did he say it?
Elle dit oui, non. She said yes, na. Elle dit quand. I said when. Elle dit depuis que tu es ici. She said since you are here. Je lui ai dit qui suis-je. I said who am I. Pour résister à la volonté de mon Seigneur. To resist to the will of my Lord. Mais va lui dire qu'il a oublié de me dire. But go and tell him he forgot to tell me. Que je l'attends encore. That I'm still waiting for him. Elle dit à toi aussi comment tu fais encore les choses comme ça. How can you do such things? Et elle est partie. She went. Le pentecôtisme. The Pentecost. Dieu a dit. Dieu God a dit. Said, God said. C'est ça qui nous tue. That's what kills us. Toi-même tu ne vois pas ta propre vie. You don't c'est pour see l'autre your own que tu life. Vois. It's for the other one you're seeing. C'est ça le problème. That's the problem. Et beaucoup d'églises ont été prises en otage, l'homme de Dieu y compris, par des prophéties de démons. C'est pour ça que dans notre ministère, ton ministère prophétique doit être reconnu d'abord, examiné avant d'être reconnu. Parce que beaucoup d'églises ont été détruites. Moi, j'étais à une église, la CMCI, le pasteur, je raconte l'histoire à Tibati. Il y avait deux pasteurs. Two pastors in donc il y avait le pasteur si petit comme ça, Zaché. This pastor small like this, Zaché. Petit comme ça, un bout d'homme. L'autre était Goliath. The other one was géant. Goliath, giant. Donc le dimanche là, so that Sunday, le pasteur géant causait avec une soeur avant le culte. The giant's pastor was discussing et ça dérangeait le pasteur petit détail. And it Zaché. Pastor Zaché sort de l'église. Pastor Zaché goes out of the church. Ils sont en train de causer. Spice, son adjoint est en train de causer à la soeur. Il fait aussi pour la toilette. Il revient encore. He does like his il entre à l'église. Il voit que depuis là, la cause n'est pas finie. Il ressort encore. Il se regarde encore. Il est encore en train de causer. Il a attendu son frère que le culte commence. He waited for his brother for service to start. Ainsi parle le Seigneur. Thus says the Lord. À son serviteur. To his servant. Adultère. Adulterer. Penses-tu que je ne t'ai pas vu quand tu causais avec la soeur au coin de l'église tout do à you l'heure? Think I did not see dis le Seigneur. With sister. A while ago, says the Lord. Pourquoi êtes-vous tombé dans le péché? Why did you fall in sin? Le pasteur géant a dit que the giant's pastor moi, said that me. Pendant l'autre prophétisait, il n'a pas fini la prophétie le jour-là. Son collègue s'est levé. His colleague. Laissez-moi spoke. Taper le coup type là. On l'arrête, je vais le taper. C'est qui ici? L'autre aussi. Coup, il dit arrêtez-le. C'est comment attraper-le? Ne le laissez pas venir ici. Le culte s'est gâté. Service was spoiled. Les fausses prophéties ont divisé les églises. Divided churches. Dès qu'une belle fille entre dans une église, when a beautiful girl enters a church, ainsi parle l'Éternel. Tu es ma femme, tu es ma femme, tu es ma femme, tu es ma femme. C'est ça qui se passe dans les églises, non? That's what happens. Dès qu'une belle fille arrive, non? Du coup, tu es ma femme, tu es ma femme. You're c'est my toi. Wife. Dieu m'a dit que tu es ma femme. God Dieu m'a dit que tu es ma femme. You're my quand wife. Il te dit que tu es ma femme, il va aussi dire à l'autre que Dieu a dit que tu es ma femme. La sœur dit aussi au frère, Dieu a dit tu es ma femme. Finalement, polyandrie, polygamie, tout ça. Le Dieu des pentecôtistes. The God of the Pentecost. C'est le problème. That's the problem. J'étais en train de prier. I was praying. Quand j'étais enfant. When I was a child. Avec le président de la jeunesse. With the president of youth. Moi, je pleure sincèrement. Hein. I cry sincerely. Lui, était le prophète. He was a prophet. Et après, il va confesser qu'il est sorcier. And after he confessed, he's a wizard. Il était notre président de la jeunesse. He was our president of the youth. Et il parlait en langue. He spoke in tongues. On fait la prière. Moi, je suis à genoux, je pleure. Seigneur, je me fais ta gloire. Je suis cessé. Je me fais ta gloire. Oh, Seigneur, je me fais ta gloire. J'ai besoin de toi, Seigneur. Il dit ainsi parle l'Éternel à Ferdinand. He says, thus says the Lord to Ferdinand. Hypocrite. Avec ta langue tendue comme pour le pangolin. Avec tes larmes de caïman. Penses-tu que je ne te vois pas? Don't you think à moi, j'ai dû aller me dire chouin. Dieu m'a insulté dans la prophétie. God insulted me in the prophecy. Imaginez-vous un nouveau converti. Imagine a new converted. Si Dieu n'était pas avec moi, if God was je rentrais dans l'islam. I'll return to Islam. Tu viens sincèrement. Et c'est comme ça que beaucoup ont été détruits dans les that's églises par des fausses prophéties. In churches by fake prophecies. Tu viens, tu es marié, on te dit que non, ce n'est pas ton mari. Voilà ton vrai mari, c'est le frère tel. Your true husband is brother. Pas seulement le pasteur lui-même qui te dit que non, non. Ton mari là, c'est un faux mari. Moi, je suis ton mari. Qu'a dit le Seigneur? Et qui est? Tu vas divorcer. Go and divorce. Et toi aussi, Kounia.
and you too. You go. Tu vas divorcer. You go and divorce. Le gars bombarde l'enfant, il disparaît. The guy bombards a child and parce que celui qui fait ça aussi à d'autres filles à l'église. J'ai dit que si un pasteur sort déjà avec ses filles à l'église, là, ça veut dire qu'il fait ça avec beaucoup. With the girls in church, he does it with many. Et c'est ça le problème du pentecôtisme aujourd'hui. That's the problem of the Pentecostal today. Je me méfie d'ainsi par l'Éternel. I'm careful of those. Quand tu arrives là, j'examine. C'est ça qui arrive, moi, je suis très strict. That's avec. Rima, I'm very strict with it. Si tu es prophète, if you're prophet, viens, je suis aussi prophète. Come, I'm also a prophet. Je veux voir dans ta part de prophétie, dans ma part de qu'est-ce qui est derrière. Prophecy, we'll see what is behind. Si c'est Dieu, if it is God, tu vas. You tu exerces ton ministère. You exercise your ministry. Si ce n'est pas Dieu, if it is not God, on va t'aider à chercher Dieu we will help you to et à le trouver. God and find him. Alléluia. Praise the Lord. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Je vais prendre quelques questions. I'll take on a fini questions. Le passage, non? C'est fini, non? C'est le verset où, ce qui reste pas la diversité des langues, l'intelligibilité des langues, c'est ça, non? Ou non, ça va, on a déjà parlé de ça. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Où sont les micros? Pasteur, bonsoir, peuple de Dieu. Je voudrais poser la question que est-ce que quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il peut encore avoir les démons en lui? Non, ce n'est pas possible. It is not non, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, tu as encore les démons. You les deux ne cohabitent pas. Dès que demons, il dit que la lumière lui dans les ténèbres, les ténèbres voient la lumière et s'enfuit. Quand l'Esprit de Christ entre, Satan fuit. Satan runs away. Tu ne peux pas être baptisé dans le Saint-Esprit. Tu es possédé. Donc, si tu as le Saint-Esprit, entre guillemets, quand on commence les prières, tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est le coup d'épaule qu'il envoie aux gens à côté. Il faut interroger. Ce n'est pas l'Esprit de Christ. It is not the spirit of parce qu'il y a les gens que quand ils commencent, quand l'Esprit, start, son Saint-Esprit commence, his Holy Ghost starts, il commence doucement d'abord. He starts slowly first. Toi qui le connais, tu comprends que c'est l'alerte. Tu recules d'abord. You understand it's an alert. You parce qu'après, c'est les kakato guéris, les mawashi guéris. Il faudra que le protocole vienne l'arrêter. Ce n'est pas les manifestations du Saint-Esprit là-bas. Those are not the manifestations of the le Saint-Esprit Holy Ghost n'est pas violent. Il ne vient pas nous faire souffrir. He doesn't come to il ne vient pas nous maltraiter. He does not come to maltreat non. Us. No. Je vais la tuer. Jésus est vivant. Chouin, tu vas mourir. La gloire de Dieu est ici. Ce n'est pas l'Esprit de Christ. That is not the Spirit of Christ. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. That is not the Spirit of God. L'Esprit de Christ est doux. The Spirit of God is et il communique la douceur de Christ autour de toi. La vie de Christ autour around de you, toi. The life of Christ. Arrêtez-moi. Il y a une maman. There is a mom. On faisait le culte. We did service. J'ai dit. I said, l'Esprit de Dieu. The Spirit of God. Tout ce qu'il va mener ici devant. All those he will bring here in front. C'est trop béni. Pendant que je prie. When I'm praying. Elle s'approche du protocole. She comes close to the usher. Elle dit ma fille, pousse-moi devant, envoie-moi devant. Send me in front. Elle voulait que je lui mette la main absolument. Le protocole dit non. The usher le père a dit no, que le Saint-Esprit lui-même va amener les gens devant. Elle dit, faut moi comment connaître la route. Elle est venue devant. She came in front. Il faut être original et authentique. You have to be original and authentic. Amen. Un instant. Oui. Oui. Non, il faut mettre le truc. Oui, maman. Oui. Son micro ne passe plus. C'est allumé. Oui. Parfois, quand je finis, je ne parle pas en langue. Oui. Je ne connais pas comment on parle en langue. Mais quand je finis, par exemple, la prière de minuit jusqu'à 3 heures du matin, à partir de 4 heures, peut-être, bon, je prends l'exemple, une fois, je devais aller dans une convention. Apportez-moi une chaise. Oui. Et,
C'est comme quelqu'un est venu me dire trois fois, oui. Ma fille, ne t'approche plus de ces gens, ils ne sont pas bien. Quels gens? Donc, ma coépouse, comme elle était, son mari est pasteur. Oui. Donc, ce sont eux qui m'ont invité. Mm-hmm. Première fois, je dormais. Oui. Mais deuxième fois, quand j'ai fini la prière, la personne, je me disais même que c'est mon mari qui me parlait. Oui. Donc, il m'a appelé doucement. Mm-hmm. Ma fille, tu as suivi ce que je t'ai dit. Ne t'approche plus de ces gens. Ils ne sont pas bien. Mm-hmm. Tu seras détourné là-bas. Donc, la voix là m'a parlé trois fois. À un moment, j'ai demandé que, est-ce que c'est le démon ou bien c'est le Saint-Esprit qui me parle. D'accord. Donc, je suis... C'est là. Un jour, je dormais. One day I was sleeping. Et j'avais beaucoup prié. I prayed a lot. Pendant que je dormais, while I was sleeping, j'ai vu une grande lumière. I saw a great qui éblouit mes yeux comme le soleil. Et j'ai entendu une voix. Blind my eyes like sun, and I heard mon a voice. My son. Lève-toi. Arise. Lis Ephésiens chapitre 7. Read Ephésiens chapter 7. Et je me suis réveillé vite. And I woke up. Comme ma Bible est toujours à côté. Since my Bible. J'ai pris ma Bible vite. I took my Bible. J'ai ouvert Ephésiens. I opened Ephesians. J'ai trouvé que ça s'arrête au chapitre 6. I found it stops in chapter 6. J'ai refermé. J'ai couvert ma tête avec le drap. Mais c'était une grande lumière. Hein. But it was a great comme pour vous dire, like to say that, Paul a dit, ne prêtez pas foi à tous les esprits. Il dit, examinez les prophéties. Examine prophecies. Chaque fois, nous, par exemple, qui prophétisons, every time we, for donc, example, j'ai une information sur quelqu'un, j'examine. Someone, examine. Bon, aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'examiner today, parce que je suis habitué déjà à la voix de Dieu. I'm used to the voice of God. Mais lorsque tu entends et que tu n'as pas encore la maturité hear, dans le discernement sur la voix de Christ, il faut examiner. Christ, parce que quand Dieu parle, because when God talks, ne t'approche pas chez de mauvaises gens, don't go close their bad parce que people, Dieu te dira le secret. God will tell you the secret. Moi, j'ai eu un couple que j'ai prié comme les parents. Une je dormais, le Seigneur m'a dit, parents, il m'a transporté, il m'a amené chez eux. Il m'a dit, entends ce qu'ils disent contre toi. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu ne te dit pas, fuis quelqu'un sans que tu ne saches pourquoi. Il va te donner des informations. Et je suis allé vers lui, je lui ai dit, tu étais avec ta femme positionnée comme ça, comme ça. Ta femme disait comme ça, toi tu répondais comme ça. Il a dit que c'était vrai. En cela, tu sais que l'Éternel t'a parlé. Ce n'est pas toutes les voix qui sont de Dieu. That are from God. Oui, d'autres questions. Papa, j'ai souvent besoin d'avoir le Saint-Esprit. Et je me pose souvent les questions, comment je peux faire pour avoir le Saint-Esprit. Ça me dépasse souvent. Quand je commence à prier, des fois j'ai la chair de poule. Après j'ouvre les yeux pour voir ce que j'ai la chair de poule. Après je n'ai plus la chair de poule. Ça part. Des années, je cherche à avoir, je pleure jour et nuit pour avoir ça. Ça d'accord. Ne vient pas. La prochaine fois qu'il y aura la chair de poule, n'ouvre pas les yeux. Il faut supporter. Les yeux fermés, tu pries jusqu'au bout. La Bible dit que si aussi méchant que vous l'êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, il faut demander. So you have to ask. Prends un temps de prière. Take a prayer. Et Dieu time. Ne peut pas te donner le Saint-Esprit parce qu'il le chérit tellement. Il ne peut pas te le donner sans que tu n'aies compris sa valeur. Il faut que Dieu voit vraiment que tu en as soif. Et vous devez savoir que ce soit le Saint-Esprit ou le don de l'Esprit, la motivation joue beaucoup devant Dieu. Tu veux ça pourquoi? Si tu veux le don, pour montrer que tu prophétises, Dieu ne te donnera jamais. God will never give tout you. Doit être fait pour l'édification de l'Église. C'est pour la croissance spirituelle de l'Église. Mais si la motivation church, c'est autre chose, ce n'est pas possible. Else, oui. Tu as compris? La prochaine fois, même si c'est la chair de coq que tu ressens, continue la prière. Continue prière oui. This time. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour papa. Bonjour. Je suis de l'église évangélique et pastorale. Amen. Oui, depuis que j'ai découvert Emma, j'ai suivi papa à la télé. Il a prêché. Quand il a prêché, mon esprit était dans l'allégresse. Et c'est pourquoi depuis ce jour, il m'a mis à cœur de s'aimer dans sa vie. Et c'est pourquoi je suis arrivée à Emma.
je vous assure, depuis que je suis à Réma, je n'arrive plus à rentrer. Bien sûr, là-bas, j'avais déjà tellement de charges. Je ne peux pas quitter comme ça parce que j'ai des gens à ma charge que je conduis. Et depuis là, je suis le cheminement. Et depuis l'enfance, depuis 8 ans environ, j'avais des visions, je voyais. Si bien que au village, on a demandé de fermer mes yeux parce que je voyais les choses et je disais, et c'était vrai. Bon, la question que je voudrais poser, c'est que en ce moment, je voyais, je ne sais pas avec quel esprit je voyais, parce qu'on a fermé mes yeux. Et quand j'ai grandi, quand j'ai commencé à lire dans la parole, en vérité, et j'ai recommencé à voir un peu, seulement je ne parle pas en langue. Bon, déjà même chez nous, quand tu parles en langue, on voit que tu es autre personne. Oui. Et en plus, j'avais vu, étant que je servais déjà à l'église comme ça, une nuit, non seulement j'ai entendu le pasteur et son épouse parler, et je les voyais parler. Le matin, donc, c'est qu'ils avaient besoin en parlant. Je porte ça, je parle à leur donner. J'ai dit, cette nuit, je vous ai entendu parler. Voilà ce que... Imaginez un peu quand après le pasteur m'appelle, il dit tu es jumelle, parce que dans leur tête, quand tu vois là, c'est que tu as l'esprit de Python. Je voudrais même déjà savoir exactement ce que c'est que l'esprit de Python. Et en plus, ce que je voudrais dire à papa, c'est que moi-même, je voudrais être baptisée dans ce Saint-Esprit et je voudrais savoir mon identité, parce que là où je suis, je ne connais pas mon identité. D'accord. Ma mère m'a raconté que quand j'étais petit, les marabouts m'ont attrapé. Ils ont dit à ma mère que ses yeux sont trop ouverts. On doit percer ses yeux. Ma mère dit qu'elle m'a porté, m'a mené dans un village pour qu'on ferme mes yeux. Et quand on est quitté, ça s'est plutôt aggravé. Ils ont écarquillé plutôt mes yeux. Papa ne sait pas comment ils ont fait pour réussir à fermer. I don't know how they did to succeed to close it. Amen. Amen. Vous devez savoir qu'il y a des gens que Dieu aime dès le sein de leur mère. Dès leur enfance, ils sont un signe. Un signe. Et ce genre d'enfants, c'est des enfants miraculeux. À 12 ans, Jésus défie les sacrificateurs. C'est ce genre d'enfants prodiges. La main de Dieu sur eux dès le sein maternel. L'enfant peut te voir, il te raconte des choses qui vont arriver par l'Esprit de Christ. Il y a des enfants comme ça. Donc, c'est des dons. C'est des dons. Il y a des gens qui ont le don de vision. C'est un grand don aussi. C'est un peu ça, ma fille. Maintenant, pour le Saint-Esprit, il faut demander. Tu demandes à partir, tu te tiens, on peut demander. Tu t'es tenu où? Non, il faut te retirer. Tu pries, en demandant, tu as un peu pleuré. What asking, did you cry? Tu n'as pas encore pleuré, il va demander jusqu'à pleurer. Ask till you cry. Donc, ça enroulait par terre. We wrote down. Demande jusqu'à déchirer tes vêtements, pas ici. Ask till you tear your clothes, not here. C'est une manière de parler. It's a manner of talking. On vous a dit de demander la chambre haute, hein? Et vous n'avez pas de chambre haute. Attends, quand tu as acheté le terrain, tu construis alors la chambre haute et tu demandes. Non. Le Saint-Esprit, tu peux le recevoir même aux toilettes. The Holy Ghost, pendant que you tu fais popo. Even in the toilet. Tu sais, il peut te trouver là-bas. Tu sors en parlant là. Il n'y a pas un endroit fixe pour avoir le Saint-Esprit. Il faut prédisposer son cœur. There is no fixed place cœur, to l'état du cœur qui est plus important. Si ton cœur est disposé, même si tu es aux toilettes, ça va venir. Oui, une autre question. Maman, tu as compris, non? Donc, et comment connaître mon identité? Vraiment, il faut juste mettre en pratique la parole, se rapprocher de Christ. Voilà, c'est ça. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu t'aide à être à ta place. Parce que c'est quand nous obéissons que nous devenons ce que Dieu veut que nous soyons. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Papa, je voudrais d'abord vous demander pardon parce que... Ah, l'esprit de Python.
Oui, dans la Bible, les yeux de Python, c'est dans la Bible, dans Actes des Apôtres. Il y a une femme qui avait les yeux de Python. Et puis Paul a chassé l'esprit là. C'est ça, non? L'esprit de Python, Python là, c'est avec grand P. C'est un dieu grec. Le dieu de la divination. Le dieu des marabouts grecs, si vous voulez. On appelait ce dieu Python. Donc ce n'est pas le serpent. C'est une idole. C'est une divinité adorée par les Grecs. C'est ça que le Python l'a écrit avec grand P. Oui. Papa, je voudrais d'abord demander pardon parce que ma question ne date pas de maintenant. C'est depuis hier et j'ai supplié le Seigneur que s'il y a possibilité de poser un peu les questions. Parce que quand vous avez fini d'enseigner hier, et je me suis senti beaucoup coupable. Et j'ai vraiment voulu éclaircissement par rapport à ça. Bon, par rapport au Saint-Esprit, pour moi, l'enseignement est très clair. Très clair, vraiment. Mais j'avais la culpabilité depuis hier dans la loyauté. J'ai eu à quitter un homme de Dieu. Il y a de cela beaucoup d'années et on s'est mal séparés. Et en suivant l'enseignement, j'étais dans la confusion. Est-ce que j'ai péché ou pas? Parce que la parole que l'homme de Dieu avait au début était contre le péché, contre la fornication, contre ce qui est mauvais. Mais à un certain moment, l'homme de Dieu commence à faire ça. Et si je pose une question, c'est plutôt mauvais parce que il n'y a rien à connaître à propos. Donc, ça devient plutôt un péché de demander, par exemple, pourquoi le même père qui condamnait l'ivrognerie devient ivrogne aujourd'hui. Bon, c'est qu'il y a une révélation. Je me suis senti mal et je suis quitté. Bon, en même temps, dans l'enseignement qui est clair, c'est que s'il y a quelque chose, peut-être on peut dire que mon père se trouve, je dois prier et soutenir pour ne pas le laisser, parce que c'est peut-être une attaque du diable. Bon, mais quand s'il fait de ça une doctrine qu'il faut que je croie aussi, tandis que ce que j'avais d'abord reçu est totalement de lui-même et le contraire de ce qu'il enseigne maintenant. Papa, ça me culpabilise beaucoup. Bon. Fait, papa? Maintenant, imaginons-nous que toi, en tant que pasteur, tu as ton église. Tu as ton église à Kribi, c'est ça, non? Il arrive que tu tombes dans le péché. Tu souhaiterais que tes enfants quittent l'église ou qu'ils prient pour toi? Bon, papa, individuellement, je me dis que si un homme de Dieu prêche, il doit se repentir et abandonner la voie là. Et comme ça, les fidèles doivent le soutenir, même dans sa repentance. Non, bon. Réponds à ma question. Oui, papa. Il a dit, s'il arrive passé, on n'est pas mort, on est vivant. Oui, papa. Tu ne sais pas comment demain sera. Oui, papa. S'il arrive que demain, tomorrow, tu te retrouves tombé dans le péché, falling in sin. Tu souhaiterais que tes brebis fassent comment? Qu'ils soient compatissants envers moi. Qu'ils soient compatissants. Qu'ils te comprennent. Qu'ils ne t'abandonnent pas. Qu'ils prient pour toi. C'est ça, non? Oui, pour que je laisse ça. Mais qu'ils soient là, qu'ils te soutiennent dans ce moment. Qu'ils ne partent pas. Je ne vous ai pas posé la question. Donc, so, en ce qui concerne la paternité, in what concerns paternity, ton père, c'est ton père. Vous devez savoir une chose. Father, you must know something. Tu peux avoir ton père et il tombe dans les erreurs. C'est un homme. You can ask your il faut prier pour lui. Il faut intercéder. Pray for him, intercede. Moi, j'ai eu des pères au Cameroun, in Cameroun que j'ai honoré, respecté. Je vais, je mets à genoux. Je lui donne mon offrande, c'est lui. Mais je sais que c'est un ivrogne. But I know it's a drunkard. Moi, je ne bois pas. I don't drink. Mais ça n'enlève pas le fait que c'est un père de l'église au Cameroun. That is the father c'est of the Dieu qui jugera ses faiblesses, c'est pas God moi. That will judge moi, je ne reçois pas l'homme, je I reçois le prophète. Prophet. Et ça, vous comprenez? Non, attendez, je vais vous montrer quelque chose. C'est les choses que je ne comprends pas dans les lois de la paternité. Jésus dit, « Ho de komien on propheten, eis onoma propheto, miston propheto, lem setai. Ho de komien on dikaiou. » Et ici, si quelqu'un reçoit un prophète en qualité prophet, de prophète et non pas de Kane Ferdinand, Ferdinand, il n'aura pas à l'héritage. He will have share to the heritage. Oh là là, depuis un fait bisou, je ne l'ai pas vu. Excusez-moi, demandez ça. Oh non, mais je ne t'ai pas vu. Oh, je t'aime, la sœur. Pensé à moi? Non? T'es fâché? Non. Ah,
Et tu trouves ici comment? Ici c'est beau. C'est beau? Tu veux rester avec moi? Vraiment? C'était beau. Tu vas me laisser prêcher? D'accord. Bye bye. Bye bye. Je ne l'ai pas vu, hein. Pour elle, c'est très important. Oh. Amen, amen. Hein? Oui, depuis là. Elle est plus sévère que sa mère. Quand elle m'appelle au téléphone, je papa, t'es où? Daddy, where are you? Je suis à la maison, toi là. T'es avec qui? Who are you with? Mais tu voulais que je sois avec qui? Est-ce que tu peux tourner la caméra? Tu montes, je veux voir avec qui tu es. Je tourne la caméra. D'accord, c'est bien, papa. Je lui ai dit que même ta mère ne faisait pas ça. Amen. Donc, parler de quoi? Voilà. Donc, Jésus dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, la difficulté que l'Église a, c'est de faire la distinction entre l'homme et le prophète. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? En tant qu'homme, David, c'était un adultère, un meurtrier, un rancunier. Son caractère n'était pas bon. His character was not good. Mais en tant que prophète, but as a prophet, il n'y a pas eu d'adorateur comme lui. There was no worshipper like him. Il était parfait. He was perfect. Donc, si David, on s'arrêtait sur son humanité, so if he stopped on his humanity, il ne serait pas un bon pasteur. He would not be a good pastor. Et non seulement il couchait avec les femmes des gens, not just il a couché avec la femme de quelqu'un, he slept with mais il a tué en plus son mari. Killed the husband. Est-ce que ce n'est pas méchant, mes amis? Is it not wicked, my friend? D'avoir le pouvoir sur quelqu'un, tu es criminel. Tu as couché avec sa femme, tu l'as enceinte, tu fais la lettre, tu dis que quand vous récupérez la lettre, tuez-le. Parce que je ne veux pas que sa femme soit au courant. Ah, qu'il soit au courant que j'ai enceinte sa femme. Est-ce qu'un homme de Dieu doit faire ça? En tant qu'homme, est-ce que je peux accepter que David, tu peux accepter qu'il t'impose les mains? Ah? C'est pour ça que Jésus dit, oh, de commun non prophétain, eis onoma prophétou. Celui qui reçoit le prophète, au nom du prophète, pas de l'homme. Il aura la récompense des prophètes, pas la récompense de Cane Ferdinand. Ça ne veut pas dire que l'homme de Dieu doit vivre dans le péché. Loin de là, un homme de Dieu doit être le modèle de son peuple, de son troupeau. Il doit être rigoureux. Il doit mettre en pratique ce qu'il enseigne. Mais il ne faut pas oublier que c'est un homme. Il peut arriver que son humanité le rattrape. Il ne faut pas le fuir pour autant. Je vous ai fait le rapport. Les brebis, quand vous pêchez, ton pasteur fait comment? S'il arrive qu'il pêche, fais aussi avec lui comme il faisait avec toi. Parce que sinon, il faut savoir que chaque homme de Dieu a des défauts. Nous tous, on a des défauts. Mais les défauts sont, il y en a qui sont graves, moins graves, très graves. Il y a des défauts vraiment, ça veut dire que ça peut causer des dégâts. Mais quand ton père tombe, au lieu de fuir, intercède pour lui. Il a besoin de ta présence. Il a besoin de ta compassion. Il a besoin de ton intercession. Il a besoin de tes prières. Tu as compris? Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Ton père, il est tombé dans l'ivrognerie. Et certainement, il a commencé à enseigner que c'est la Bible n'interdit pas qu'on peut boire, c'est ça? L'ivrognerie proprement dite. Voilà. Donc, à partir de ce moment, pour ça, vous ne devez même pas vous séparer. Tu n'es pas son juge. Tu imites ce qui est bien, tu rejettes ce qui est mauvais. Mais le respect de ton père, tu ne changes rien. Your father, donc il faut retourner lui demander pardon. So return and ask him. Parce que quoi qu'il soit infirme, quoi que Élie soit aveugle blind, et que ses yeux soient troubles, his eyes were troubled, dans sa maison est sorti l'un des plus grands prophètes d'Israël. Faut faire attention. Il a béni une femme stérile, elle a accouché. Et la Bible dit la lampe de l'Éternel n'était point éteinte. Il faut qu'à 18 heures je vous parle de la lampe. Ça c'est très important. C'est la lampe de Dieu. Donc, c'est pour dire quoi? Tu peux avoir ton père spirituel, il tape sur sa femme. C'est très mauvais. Mais tu n'es pas le juge de ton père. Tu dois être intercesseur pour ton père. Si Dieu t'ouvre une voie de dire, papa, ce que tu fais avec maman, ce n'est pas bien.
c'est Dieu qui le juge. C'est Dieu qui juge ses serviteurs. Mais tu lui dois loyauté. Même si ça te fait mal, tu pries, tu encourages la mère, tu pries pour le père, mais tu restes un enfant soumis. Sinon, Samuel, dans la maison du souverain sacrificateur Élie, allait appeler sa mère, qu'elle vient me chercher. Dans la maison, si je n'ai jamais vu l'église, si on fait l'adultère dedans, le temple où Samuel dormait, les fils de son père venaient coucher avec les femmes là-bas. On dit à Samuel, pousse-toi, on couche les femmes là-bas. Samuel n'en a jamais parlé. Jamais. Il les a jamais jugés. He never judged them. Il n'a pas imité leur mauvaise voie. He did not imitate their bad tu peux way. Vivre dans une génération dépravée you et être juste. Samuel nous a montré ça. Il dit, bah non, le quartier où j'habite, il y a trop de péché. Oh he non, dans la maison là, c'est parce que les gens, tout le monde va en boîte de nuit. Alors moi aussi, j'étais obligé d'aller en boîte de nuit. Je peux vivre 1000 ans avec toi, je n'imite jamais tes mauvaises voies. Je reste loyal à l'Éternel. Samuel l'a fait. Si c'était toi, if it were you or me, on aurait fui, non? Qu'est-ce quelle église? Ils peuvent aller à l'hôtel faire ça. They can go. Mais c'est à l'hôtel même qu'ils mettent le matelas. Ils viennent coucher là-bas. Après le matin, on se met debout pour holy, holy. Mais Samuel a dit, mon père, c'est un homme de Dieu. Ses faiblesses, c'est son histoire avec son Dieu. Je continue d'être soumis. Et le manteau d'Élie est tombé sur Samuel. Il avait quelque chose en lui. Faisons attention. L'humanité d'un homme de Dieu n'a rien à voir avec son alliance. N'oubliez jamais ça. Never forget that. Chaque homme de Dieu répondra de ses actes devant Dieu. Every man of God will respond. Comprenez, un homme de Dieu peut vivre dans le péché. A man of God can live in sin. Mais il manifeste la puissance de Dieu à cause de l'alliance. Mais à cause de ses péchés, il ira en enfer. But because of his sin, he will go to hell. Amen. À cause de ses péchés, because il ira en enfer. Sins, he will go to hell. Mais Dieu ne renonce pas à ses dons. Il but respecte l'alliance, même lorsque l'homme devient fidèle vis-à-vis de l'alliance. Voilà pourquoi les signes, les prodiges ne sont pas signes, conditions sine qua non. Que Dieu est encore présent ou que Dieu est d'accord avec un homme de Dieu. Non, ce n'est pas dans les opérations qu'on comprend que Dieu est d'accord avec un homme de Dieu. C'est dans la vie de cet homme de Dieu, sa relation personnelle avec Dieu, qu'on évalue si Dieu est avec lui ou pas. Mais ce n'est pas à nous de juger, puisque la Bible nous interdit. Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? S'il tombe, en quoi est-ce que ça te regarde? C'est la loi, c'est la Bible, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui juge les hommes de Dieu. Ne prends jamais ce rôle. Parce que même si un homme de Dieu agit mal et tu le juges, Dieu va te condamner. Tu seras sous la malédiction. Parce que ce n'est pas de ton ressort. Il va défendre son serviteur. Quoique lui et son serviteur, il soit en guerre. Donc méfiez-vous. C'est une histoire un peu compliquée entre les hommes de Dieu et Dieu. D'un homme de Dieu qui abandonne Dieu et qui suit les mauvaises voies et entraîne les gens dans ces mauvaises voies, il payera. Il perdra la vie éternelle. He will lose everlasting life. Mais Dieu ne peut pas tenir un peuple coupable du péché de son berger. Tu ne peux pas venir à l'église. Moi, je suis pasteur. Je vis mal. Toi, tu viens innocemment avec tes problèmes. Tu adores Dieu tout ton cœur et Dieu ne te bénit pas. Je veux prier, Dieu va exaucer. Pas parce qu'il m'exauce. Il respecte son alliance et ta justice. Il te bénit pour ça. Mais son serviteur, il est en conflit avec lui. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Oui. Bon, bah, je demande pardon, je parle pour la dernière fois, je ne parlerai plus. Oui, vraiment, bon. Il faut que. Oui, bah, c'est la dernière fois, donc, il faudra aller lui demander pardon. Oui, bah. Bon, je voudrais spécifier ici dans le domaine. Le domaine était le fait que, bon, le père n'opérait pas dans la prophétie. Et il parlait trop mal de beaucoup de personnes qui prophétisaient. Mais à un certain moment, les gens n'étaient plus trop là. Et il fallait invoquer certains esprits qui peuvent faire la révélation. Bon, lorsque ça a commencé, j'ai commencé à avoir moi les repas de nuit. Donc, invoquer les esprits, ça veut dire quoi? C'est un peu clair. C'est-à-dire, il peut, par exemple, pendant un culte, dire que c'est l'esprit de telle personne qui est mort, il faut qu'il vienne faire les révélations. Telle personne où? Non, je pouvais garder comme ça. Parce que c'est à Yaoundé. Je pouvais garder comme ça. D'accord, attends. Non, mais il faut faire attention. Faites aussi la différence entre un père qui traverse une faiblesse et un père qui se détourne de Dieu.
that turns from God. Celui qui se détourne de Dieu et devient ennemi de Dieu, tu le fuis. C'est différent d'un père qui a des faiblesses, qui a manifesté son humanité. Est-ce que vous comprenez? Mais si ton père spirituel commence à te dire que allons chez les marabouts, begins to tell you, let's go to witch doctors, que non, on va aller faire déterrer les crânes pour invoquer les morts pour la délivrance, fuis tes babouches, reste là-bas, ne pas même plus chercher. Laisse ça là-bas. En ce temps, parce que la Bible dit, enfants, obéissez à vos enfants selon le Seigneur. C'est pour ça que je vous dis souvent que si moi-même je commence à vous dire les choses bizarres, fuyez. Ne regardez pas derrière. C'est que c'est moi-même qui ai cherché mes problèmes. Donc, mais si un père manifeste une faiblesse qui est normale, qui peut arriver, priez pour lui. Mais s'il veut vous amener en enfer, dites que papa, va seul. Oui. Papa, bonsoir. Merci d'avoir de m'avoir permis d'utiliser votre micro. Ok, je sais même d'où ça vient. Ma question, n'est-ce pas, revient sur le sens du Saint-Esprit. Oui. Parce que moi, j'ai connu ça dans l'église qu'on appelait Jérusalem. Et je sais comment on a souffert pour avoir, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. C'est comme, n'est-ce pas, la rubrique que vous étiez en train d'expliquer. Mais après cela, je travaillais à Campo, c'est là où j'ai connu le Seigneur, de là on m'a affecté à Limbé. Mais arrivé à Limbé, il n'y avait pas l'église là. Il fallait quitter de là pour venir à Douala tout le temps pour l'église. Vous savez, avec les amis que j'ai croisés là-bas, et c'est une ville qui était nouvelle pour moi, il y a eu trop de tribulations. Et dans ces tribulations, ma première femme, dont la mère de mes enfants, mon épouse, était partie. Mmh. Et de là, c'est-à-dire que je m'étais perdu totalement, étant déjà béni par le Saint-Esprit. Mais ce qui avait en moi était que quand je ne suivais pas la parole de Dieu, j'étais malade. Juste à ce que j'ai fait une école de ministère ici à Yaoundé. Bon, de là, je suis toujours resté perdu, je ne me retrouvais pas. Juste à ce que je rencontrerai ma mère. Au départ, moi je ne veux pas vous mentir, papa, je vous condamnais. Moi, quand je suivais vraiment, je n'étais pas trop fier. Quand vous étiez en train de proclamer des choses, jusqu'à ce qu'on m'a invité, c'était au mois de juin que j'ai rejoint l'EREMA. Et dès lors, je ne suis plus jamais quitté de là. Et je voudrais savoir si, est-ce que, étant n'est-ce pas déjà béni par le Saint-Esprit, et que tu te retrouves dans... Ça veut dire quoi, être béni par le Saint-Esprit? C'est celle qui te donne l'argent ou quoi? Non, baptisé, je dis baptisé par le Saint-Esprit. Faut être clair. Oui. Étant déjà baptisé par le Saint-Esprit, est-ce que quand tu te retrouves dans cette situation et que tu reviens à lui, et si cet esprit vit toujours en toi? Je sais qu'on vous a enseigné, nous tous sommes enseignés. Et si quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, parle en langue, il rétrograde, il va perdre le salut. C'est faux. C'est faux. Quand vous regardez dans les Saintes Écritures, la Bible dit, parle du fils prodigue. Ça montre clairement l'état d'un enfant de Dieu qui, à un certain moment, dans sa marche avec Dieu, a rétrogradé. Quand il revient, le Seigneur ouvre ses bras et l'accueille. Donc ça, c'est clair. Et vous regardez ce qui s'est passé entre l'apôtre Paul et Barnabas, à cause de Jean-Marc, le cousin de Barnabas, le fils de Marie, la maîtresse de Rhodes. Jean-Marc, c'était un jeune homme utile dans le ministère. Et je crois plein du Saint-Esprit. Mais qui à cet moment a abandonné l'apôtre Paul et Barnabas par amour du monde, comme Paul lui-même dit. Et il est retourné dans le monde. Mais après, il est revenu. Et dans sa vieillesse, l'apôtre Paul même dit, envoie-moi Jean-Marc, parce qu'il m'est utile dans le ministère. Il est revenu dans le monde. Dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul va demander qu'on excommunie un frère qui avait couché avec sa mère. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'avec certainement la femme de son père qui n'était pas sa mère. Donc ça, on appelle ça quoi? Sa belle-mère. Donc certainement son père avait une jeune femme. Donc ils se sont sucrés. Et l'apôtre Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, demande qu'on excommunie le frère. Et on va l'excommunier. Dans la seconde lettre aux Corinthiens, il demande qu'on relève le frère de sa punition de peur qu'en mettant long dans la punition, le diable ne l'endurcisse plutôt. Donc ça montre que dans le Nouveau Testament, les frères
qui tombaient dans l'adultère, on les excommuniait après, on les reprenait le service. Donc, il est là. So avec toi. With you. Dans cette chute, n'est-ce pas, ça a affecté même mon service. Et moi, j'ai quoi avoir dedans? Tu as posé la question, j'ai répondu. Maintenant, ça affecte ton service. Trouve les solutions. Ouais. Ou ce n'est pas ça? Hey! Maintenant, les conséquences de tes péchés, tu te débrouilles, mon frère. Quand tu faisais, n'était pas là, donc porte le fardeau, débrouille-toi. Tu demandes au Seigneur de t'aider. Que Dieu te restaure complètement. Et je sais que comme il rentre de cette montagne, sa vie est restaurée complètement. Dans le nom souverain de Jésus. Oui, papa. Oui. Bonjour, peuple de Dieu. Oui, papa, je rends grâce à Dieu qu'il m'ait permis d'être ici aujourd'hui. Et je rends grâce à l'Esprit qui est en vous. Amen. Oui, papa, quand je venais ici, j'avais une préoccupation, l'interprétation d'une vision. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai renoncé à cette interprétation. Amen. Pendant que j'étais assis là, au moment de clôturer votre propos, vous avez dit quelque chose qui m'a levé. Vous avez dit, avant, c'est-à-dire, quand vous receviez une prophétie, vous l'examiniez. Mais que maintenant, vous ne l'examinez pas parce que vous reconnaissez la voix du Saint-Esprit. Je suis habitué. Voilà. Donc, cela sous-entend que le Saint-Esprit a un timbre vocal. Ah, c'est ce que ma compréhension m'a donné. Oui, si, on peut dire ça. Si je pose la question, c'est parce que je suis à ma quatrième retraite spirituelle ici. La première fois que je suis arrivé ici, j'ai demandé le Saint-Esprit. Je n'ai pas reçu. J'ai compris à moi que, en fait, en venant de chez moi, je n'ai pas demandé. Donc, c'est pourquoi Dieu a trouvé bon de ne pas me donner. La deuxième fois, j'ai demandé, je n'ai pas reçu. Mais depuis que je suis descendu, j'entends des voix alors que je suis éveillé. La première fois que j'ai reçu la voix, je suis allé vers la personne et la prophétie s'est réalisée. Et surtout que c'était une fille de Dieu. La première fois, je n'ai pas reconnu la voix qui me parlait. La troisième fois que j'ai suivi la voix, je n'ai pas reconnu la voix et la prophétie s'est réalisée. La deuxième fois que la voix m'a parlé, c'était la voix d'un pasteur, d'un collègue pasteur. Alors, je me suis dit, quand vous avez dit, vous reconnaissez déjà, parce que vous êtes habitué. J'ai eu deux fois des paroles audibles. Puis, que je n'ai pas identifié le thème vocal. Mais à la deuxième fois, c'était la voix d'un pasteur. Est-ce à dire que quelque part, il y a le Saint-Esprit et quelque part, c'est des hommes, je ne sais pas. Donc, c'est pourquoi je me suis levé. Et la question, elle est pertinente. Parce que c'est le problème que beaucoup de gens éprouvent. Je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit, mais j'entends la voix du Seigneur. Regardez. Look, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant. Et quand tu es enfant de Dieu, Dieu est qui pour toi? Donc tu dois causer normalement avec lui. Donc la filiation par la nouvelle naissance me donne déjà droit de parler avec mon Père. Sans baptême dans le Saint-Esprit. Le rôle du baptême dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire que le signe de la filiation, c'est la capacité de parler avec mon Père qui est Dieu. C'est ça, vous verrez que dans tout l'Ancien Testament, tout cela parlait avec Dieu, mais il ne parlait pas en langue. Il n'était pas baptisé dans le Saint-Esprit, c'est la filiation. C'est un peu comme le miracle qui accompagne ceux qui ont cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils guériront les malades, ils imposeront les malades, sont guéris, chasseront les démons et tout. Ce n'est pas les dons de l'Esprit là-bas. C'est le droit de la nouvelle naissance. It is the right of new birth. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Il y a ce qu'on appelle le droit de la nouvelle naissance, c'est quoi? Si je suis né de nouveau, les démons me seront soumis. Mais seulement, ça serait un peu limité. But it will be limited. Je peux prier sur les malades. Les malades vont guérir. The sick will be mais il y a
certains cas que je ne pourrais pas. Parce qu'en ce temps, il me faudra le don de guérison. Parce que les dons de la filiation sont limités à un certain niveau. Et la relation entre toi et Dieu, dans la nouvelle dispensation, celle de la nouvelle alliance, le droit de filiation, de causer avec Dieu, dû à la filiation, est aussi limité à un certain niveau. Si tu veux dépasser ces limites, il te faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Donc, tu peux ne pas être baptisé dans le Saint-Esprit, mais tu parles avec Dieu. Dieu te parle, c'est normal. Il dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Elles ne suivront pas d'étrangers. Le baptême dans le Saint-Esprit, son but, c'est de faire de toi un martyr. Dieu met le sceau de martyr sur toi. Et vous savez que dans l'Apocalypse, les martyrs seront les vedettes au ciel, n'est-ce pas? C'est les vedettes. C'est des personnes honorées, c'est des personnes... C'est-à-dire que leur cas est spécial. Donc c'est cet esprit, le sceau des martyrs qui est sur toi et qui vient avec des pouvoirs que celui qui n'a pas le baptême dans l'esprit n'a pas don. Comme pour dire que celui qui est né de nouveau est sauvé, il peut écouter Dieu, c'est normal, parce qu'il est enfant de Dieu. Mais il n'aura pas les mêmes capacités spirituelles que celui qui est né de nouveau et qui est baptisé dans le Saint-Esprit. Il y a des choses que Dieu va lui dire, lui, il ne comprendra pas bien. Il ne va pas bien interpréter. Mais celui qui a l'Esprit de Christ, baptisé dans le Saint-Esprit, ça sera plus facile pour lui. Amen. Ok, je vais prendre deux questions, on va se reposer. Oui. J'ai une doléance. Oui. Je voudrais, comme... j'ai besoin de l'interprétation. Donc, de pour vision. Le baptême dans le Saint-Esprit, oui. Il ne faut pas seulement attendre un an, venir à la montagne. Mais à la maison, vous pouvez demander. Even at home, you can ask partout, pour vous mettre en prière. Everyone faites-le. Can put yourself in prayer, et Dieu vous donnera. And God to give you. Oui. Je disais que j'ai une doléance. Comme j'ai besoin de l'interprétation de la vision et que vous n'avez pas le temps. Oui. Est-ce que je peux écrire et donner à une personne qui vous est proche et de vous remettre? Oui, il ne faut pas seulement écrire long, pardon, il faut résumer. Parce qu'effectivement, c'est long. C'était une vision où je jeûnais et j'ai reçu la vision. Si c'est long, je ne peux pas lire. Les gens qui m'écrivent le long message, je vous rassure que je ne lis pas. Dès que je fais comme ça, je vois que c'est long, je zappe. Il faut être précis, concis. Precise and concise. Vous comprenez, n'est-ce pas? Do you understand? Oui. Après, il faut donner à mon fils là aussi, oui. Et on finit avec lui. Moi, j'ai une des femmes. Hein. Si vous voulez, à 18h, on pose. Si vous voulez, à 18h, on va. Si vous voulez, on revient à 17h. On répond aux questions. Moi, j'ai une préoccupation par rapport à l'enseignement. Hein? D'accord, on fait comme ça. Oui. J'ai une préoccupation par rapport à l'enseignement sur... On vient à 17h. On répond aux questions. 18h, on clôture. Vous savez que la joie, c'est à 18h. Demain matin, 5h, nous avons un grand service d'impartition. Chacun doit avoir sa bouteille d'huile de faveur. Si tu n'as pas ta bouteille, tu demandes. Amen. Et on va prier. Chacun va présenter son offrande à l'Éternel demain. On va présenter nos offrandes pour 2022. Amen. Pour l'ouverture des portes pour 2022. On ne peut pas descendre sans faire une action de grâce pour nos vies devant le Seigneur. Donc c'est le service qu'on aura demain. 5h, on va prier, bénir le Seigneur. Après, on va louer. Et je vais prier pour tout le monde. Je vais mettre la main sur tout le monde pour 2022. Oui. Oui, j'ai compris. Hein? Donc j'ai dit que je vais recevoir les femmes, les hommes et tout. Donc on va vous dire au micro. Dès que l'heure arrive, on va vous dire. On vous dit. Je ne sais pas quelle heure il est déjà. Il est à 14h. Oui, donc, mais il faut que je me repose un peu. Mais dans tous les cas, les hommes, les femmes, tout ça, on va causer. Si on ne cause pas, on ne descend pas. Oui. Merci déjà, papa. Mais malgré que chaque fois où je me présente devant vous, vous me renvoyez. Et c'est pour, j'étais en train de voir cela, en train de vouloir se passer. Non, ça vous êtes en train de parler et j'étais déjà étouffé. Non. Ok. Moi, déjà, c'est par rapport à l'enseignement sur au niveau de là où vous avez dit que si on ne parle pas en langue, on n'a pas le Saint-Esprit. On n'est pas baptisé. On n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit. Oui. L'Esprit de Dieu est avec moi quand je nais de nouveau parce que c'est lui qui te fait naître de nouveau. C'est l'agent
la nouvelle naissance. Sans lui, tu ne peux pas naître de nouveau. Et Dieu vous convaincra du péché. C'est lui qui te fait voir que le péché est mauvais. C'est pour ça que dans Luc, à la naissance de Jésus, le Saint-Esprit parle à Siméon d'aller au temple. Donc le Saint-Esprit peut parler avec toi. Il faut bien comprendre ce que nous disons là. Quand tu nais de nouveau, tu as le droit de la filiation. Dieu te parle, le Saint-Esprit te parle. C'est une alliance, l'alliance de la nouvelle naissance. Maintenant, il y a l'alliance du baptême dans le Saint-Esprit qui s'accompagne avec le parler en langue. Cette alliance, si tu ne l'as pas, tu ne peux pas parler en langue. C'est impossible. Et elle t'apporte deux choses. Elle te donne le pouvoir de parler en langue ou diversité de langue, d'avoir droit au don du Saint-Esprit, et puis la dernière chose, d'être un martyr, c'est le sceau des témoins. Tu n'as plus peur de mourir pour Christ. Mais celui qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, c'est plus facile pour lui de renoncer à la foi quand il voit la mort. Oui. Okay. Et maintenant, lorsque la Bible interprète que lorsqu'on a baptisé Jésus, il a été rempli, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il a été rempli du Saint-Esprit. Et les Écritures, pendant que je fouillais. Moi, c'est même ce genre de questions que je veux. Des questions compliquées dans la Bible. Qui montre que tu as lu? Et pendant que je fouillais. J'avais vu mon arrière-grand-père, ça veut dire quoi? Oui. Et pendant que je fouillais, je n'ai pas vu là où Jésus a parlé en langue. Et maintenant, ça crée une polémique parce que lorsque j'arrive au niveau des apôtres, après la Pentecôte, ils vont parler maintenant en langue après avoir reçu le baptême dans la chambre haute. Oui. Et maintenant, la Bible interprète dans Actes 2, 8, qu'ils recevraient quelque chose, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur eux, et ils seront ses témoins. Oui. Maintenant, si le Saint-Esprit venait avec le premier don, par exemple, qui est la prophétie, et qui n'était pas le parlant langue, pour attester que c'était le Saint-Esprit, non. Est-ce que non. Le Saint-Esprit ne vient pas avec les dons. Les dons viennent après le baptême dans le Saint-Esprit. On les demande. D'aspirer aux dons spirituels. On aspire. Vous comprenez? Jésus n'était pas baptisé dans le Saint-Esprit. Jesus was not baptized in the Holy Ghost. Il n'a pas besoin d'être baptisé. C'est lui qui baptise. He doesn't need to be baptized. Donc, il n'a pas besoin de parler en langue. C'est nous qui sommes baptisés qui avons besoin de parler en langue. C'est pour nous le parler en langue. C'est pour nous le baptême dans le Saint-Esprit. Ce qui s'est passé, ce que vous évoquez, c'est que vous ne comprenez pas ce que Dieu a fait là-bas. You don't understand what God did there. Vous comprenez? Ça n'avait rien à voir avec le baptême. It had nothing to do with. Il fut rempli d'esprit. Baptism full of the Spirit. Il rentrait dans la puissance de l'esprit. Entered in the power of the Spirit. En fait, voici ce qui se passe. Je vais vous expliquer. This is what happens. I'll explain it to you. Vous savez que Jean, c'était le cousin de Jésus. Do you know John was the cousin of son grand frère de 6 mois. C'est ça, n'est-ce pas? Et Jean-Baptiste était le dernier prophète de l'ancienne alliance. Of the old covenant. C'est ça. Il est la clôture. Il est venu clôturer. He came to close. La dispensation mosaïque. The celle Mosaic de Moïse. That of Moses. Donc, Jésus, il est le prophète, le prêtre, le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Of the new covenant, pas de l'ancienne. Not the old. Donc, c'est deux prophètes, deux there ères, deux époques. Two eras, two times. L'ancienne alliance, covenant, la nouvelle alliance qui se sont rencontrés au baptême. Donc, le baptême de Jésus est différent de notre baptême. So, the baptism of parce que notre baptême, c'est l'engagement du bonne conscience et une repentance par rapport à nos péchés. Est-ce que vous comprenez? Mais le baptême de Jésus, ce n'était pas pour se repentir d'un péché. C'était une cérémonie. Une passation de service. Ça veut dire que le dernier prophète de l'Ancien Testament, officiellement devant Dieu, c'est une cérémonie au ciel. L'Ancien Testament se clôturait ce jour. Et puis Jean-Baptiste passait le témoin à Christ qui ouvrait la nouvelle alliance. Et Jean-Baptiste, son ministère s'arrêtait après ce baptême. L'Ancien Testament s'est arrêté après le baptême de Jésus. Et il a introduit Jésus-Christ. Le baptême, c'était pour introduire Jésus-Christ dans l'ouverture de la nouvelle dispensation, celle de la nouvelle alliance. Donc, c'était une cérémonie de passation, de service. Ce n'était pas un baptême dans le sens où nous sommes baptisés. De même que Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu dans le même sens où nous sommes appelés fils de Dieu. Il est monogénèse.
Mais nous ne sommes pas monogénes dans son sens. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus n'a pas été baptisé parce qu'il voulait se repentir de ses péchés, s'engager à servir Dieu. Non. Jean-Baptiste lui disait, aujourd'hui officiellement, l'Ancien Testament est clos. Voici la clé. Tu peux ouvrir vos testaments. Notre histoire s'arrête ici. Our story stops here. Et c'était ça. C'est pour ça que Jean-Baptiste, that's why John the Baptist, dans l'amour du ministère, in the love for voulant the ministry, exercer wanting to une dispensation obsolète dans une nouvelle dispensation, est mort. Died. Ce jour, Jean-Baptiste ne devait plus prêcher, ni that baptiser quelqu'un. C'était fini. L'Ancien Testament était clos. Ok. Mm. Et dans la continuité, parce que c'est ce qui m'a amené à comprendre ça. J'ai cherché dans l'histoire, dans l'église du Cameroun, pour voir les anciens, les prophètes, dont les pères. Et j'ai vu un père qui a manifesté le pouvoir de l'évangélisation dans ce pays. Je ne l'ai pas entendu parler en langue. C'est qui? Apache Alessouma. Qui a dit que pour prêcher l'évangile, il faut parler en langue? Who said that to preach the gospel you must speak in tongues? Les apôtres avant la Pentecôte ont dit quoi à Jésus? Before the Pentecost, what did they tell Maître, Jesus? Master, même les démons nous étaient soumis en ton nom. Demons were submitted. Et Jésus leur dit que non, en fait, vous n'avez pas tout vu. Satan est même tombé du ciel comme un éclair à votre parole. Donc on n'a pas besoin du baptême dans le Saint-Esprit pour convertir les âmes au Seigneur. Non. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, si sans Saint-Esprit tu peux faire ça, si tu étais baptisé dans le Saint-Esprit, tu aurais fait ça mille fois plus encore. J'ai une question. Ok. Et parce que lorsque j'ancre dans l'histoire de Paul, oui, et Apollos, Apollos a prêché dans la connaissance, mais il n'a pas donné le Saint-Esprit. Mais lorsque Paul est venu prêcher à Antioche, la Bible interprète, les Écritures nous disent qu'il a parlé sur la question du Saint-Esprit, ils ont dit qu'ils n'ont jamais entendu parler. Mais après avoir parlé, il a imposé les mains sur eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors papa, pour moi, j'ai un problème. Mon problème, c'est que si on peut poser les mains sur quelqu'un, il reçoit le Saint-Esprit. J'ai besoin de ça. Amen. Amen. Vous voyez que you see that? Tous les hommes avancent déjà. Parce qu'ils attendent que j'impose les mains. Ils parlent en langue. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est what you have to understand is that dans toute l'histoire qui a été écrite, in all the story that was written, dans les Saintes Écritures, en rapport avec la glossolalie, in relationship with speaking in tongues, c'est arrivé une seule fois. It happened once. C'est Paul qui a fait cela. It is Paul that did that. Les 120, the 120 ont prié. Prayed. L'esprit est descendu. The spirit came down. Donc on peut dire que c'est une exception. Like to say it's an exception. C'est une exception. Ce n'était pas une généralité. It's an exception. C'est pas quelque chose qu'on fait. Ce n'était pas une pratique. It was not a practice. L'apôtre Paul leur a imposé les mains. Il a dit recevez le Saint-Esprit. On peut prier, imposer les mains. Quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. On peut aussi imposer les mains et traduire un don à quelqu'un.
C'est ce que Paul dit à Timothée. That's what Paul ne néglige pas le don qui est en toi et que tu as reçu par imposition de mes mains. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut que ce soit Dieu qui te demande de le faire. But it has to be God who asks you to do it. Et comme il ne m'a pas encore demandé de le faire, he has not yet asked me to do it, je ne peux pas imiter Paul. I cannot imitate Paul. Parce que la spiritualité, because spirituality, c'est pas l'imitation. It's not imitation. C'est Dieu, it is God, qui a demandé à Paul, se poussé par le Saint-Esprit, pushed by the Holy Ghost, qui leur a imposé les mains, that he laid hands, et ils ont reçu. And they received. Pierre, Peter, dans la maison de Corneille, in the house of Cornelius, était poussé par le Saint-Esprit, was pushed by mais il ne leur a pas imposé les mains, but he did ils not ont lay reçu. Hands to them, they received. Donc c'est la direction que l'Esprit te donne, it is the direction the c'est Spirit elle. Gives you. C'est à elle que tu obéis. That's what you obey. Donc, so, on va encore attendre we will still wait que Dieu me dise. For God to tell dès qu'il me dit, when he tells je vous me imposerai les mains à vous tous. I will lay hands to you. Oui, la dernière question. Bonsoir, peuple de Dieu. Papa, là, j'aimerais savoir sur un rêve que j'ai eu à faire hier. Quand je dormais, je me suis réveillé et j'ai essayé d'expliquer ça au pasteur hier. Et d'autres ont essayé de m'interpréter ce rêve. Mais moi, j'aimerais que vous essayiez plus de m'expliquer ce rêve. C'est vrai que j'aurais souhaité que nous parlions des affaires doctrinales. Mais comme il est nouveau converti, on va... Oui. Quand vous avez fini hier la dernière prière de minuit, avant de dormir, j'ai regardé le ciel. J'ai vu trois étoiles qui ont formé un triangle. J'ai montré même à certains frères. Eux-mêmes ont vu. Et quand je suis... Ah, ils ont vu l'étoile au ciel. Hein. Oui, qui a vu? Qui était là? Vous avez vu, c'était en journaux la nuit. La nuit. Oui, d'accord. Mm-hmm. Moi, j'ai déjà vu les étoiles en journée. Et ensuite, l'étoile filante vous, la nuit est passée oui. au niveau de ces étoiles qui ont formé ce triangle. Oui. Quand je me suis endormi, j'ai fait un rêve où j'étais dans un village. Quand je voyageais, donc, je n'avais pas ma pièce, ma carte d'identité sur moi. J'avais la photocopie. C'est là d'où on raflait les gens. Les policiers m'ont raflé, ils m'ont amené au poste de police. C'est comme ça d'où on m'a demandé de me présenter. J'ai montré les photocopies de ma carte nationale. Au moment où je montre les photocopies de la carte nationale, c'est ça doit me laisser même que je rentre. Quand on me libère, que je rentre, en rentrant, il y a une dame qui sort de son bureau. Avant de me remettre mes papiers en main, dont de la photocopie de ma carte, cette femme m'a donné un baiser. C'est là d'où je lui ai demandé pourquoi tu le fais. Elle a commencé à me regarder droit dans les yeux en souriant. Je suis parti. De là, arrivé au niveau de Fougerolles, j'ai trouvé papa et maman, ils étaient en train de discuter. C'est comme ça d'où je suis venu, j'ai expliqué à papa qu'on m'a raflé à cause de ma CNI et tout et tout. Il me dit qu'il n'y a pas un problème, je vais faire, on va t'établir une autre carte. C'est comme ça d'où une voiture a garé. La voiture a garé, les gens sont descendus. J'avais la tenue des policiers et leur casquette qu'ils aient portée. C'est comme ça d'où les gens qui sont descendus de la voiture me disent que non, c'est l'uniforme qu'ils sont venus récupérer avec la casquette que j'ai sur moi. Que je dois les suivre, qu'il n'y a aucun problème. C'est comme ça d'où je suis. Papa me dit, va monter dans la voiture. Je quitte, je pars, je monte dans la voiture. Nous sommes en train de partir. C'est comme ça d'où je me mets à chanter des louanges dans la voiture. Dans la voiture, je chante, je chante. Il y avait une maman qui était derrière moi avec les jeunes filles et deux jeunes filles étaient sur un lambeau. Ils étaient là quand j'étais en train de chanter. La fille qui était à côté de moi me tend un bâton de cigarette. C'est là que je lui dis, je ne fume pas et je ne bois pas. Son sœur me regarde, elle me fixe, elle me fixe droit dans les yeux, mais elle secoue la tête. Son ami qui était à côté, je ne sais pas par où, elle est même partie bien après. C'est ça quand on arrive au poste, quand je remets l'uniforme, il y avait une grande maison en carreau et en barrière noire. La fille qui m'a tendu le bâton de cigarette est sorti la barrière. Elle m'a remis deux pièces jaunes de 100 francs. Quand j'ai pris, elle me dit c'est pour le transport parce qu'ils ne peuvent plus me ramener d'où ils m'ont pris. C'est comme ça d'où je regarde les deux pièces. Je lui demande que c'est une sorte de moquerie ou bien c'est quoi. C'est là d'où je jette
les deux pièces au sol. Il y avait quatre anciens qui sortaient derrière moi. Les quatre anciens, parmi les quatre, il y a un qui voulait ramasser les pièces. C'est là où je dis, non, ne ramasse pas ces pièces. Ces pièces ne sont pas bonnes. Son sac, ils ont laissé une maman sortir aussi de chez elle. En ouvrant son sac, elle dit comment elle a égaré son argent. Elle voulait ramasser la pièce là. Je lui ai dit, non, ne ramasse pas. Elle est ancrée. Subitement, quand je suis en train de vouloir maintenant rentrer à pied, en chantant les louanges en route, je chantais, j'ai trouvé un monsieur qui était en bordure d'une route. Donc il était assis. C'est comme ça que je m'approche à côté du monsieur, je le touche à l'épaule, je lui dis « Bonsoir, pas. » Il me salue bien. Je lui demande « Est-ce que je pourrais partager la parole du Saint-Esprit avec lui ?» Il me dit qu'il ne voudrait pas entendre la parole du Saint-Esprit à côté de lui et il n'aimerait pas entendre. C'est comme ça d'où, en lui regardant droit dans les yeux, dont une éclair est sortie de ses yeux et est venue au niveau de mes yeux. Je n'arrivais pas à bien voir, mais j'ai continué à chanter mes louanges. Il m'a chassé. Brusquement, je suis quitté d'où il était en rentrant. C'est comme ça d'où, en rentrant sur le chemin, j'ai vu une étoile, les étoiles, quatre étoiles. Ça va, j'ai compris. Ça va. En fait, tout ce qui s'est passé dans ta vision, c'est à cause de la carte. C'est à cause de la photocopie. C'est à cause de la photo, du récépissé de la carte d'identité. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a quatre étoiles qui ont atterri. Non, laisse les étoiles, fils. Laissons les étoiles d'abord. J'ai dit que votre problème dans le rêve est venu à partir du rafle. Et on vous a raflé parce que vous avez le récépissé. Vous n'avez pas de carte. Non, pas la photocopie. Puis il a dit que son père a dit qu'il va lui refaire une carte. C'est ça, non? Oui. On refait la carte quand on a le récépissé. Oui. C'est pas ça? Oui. Donc, en fait, les forces de police que tu as vues, les commissariats, tout ce qui est venu te chercher dans la voiture, ce sont tes anciens geôliers. Parce que tu es un évadé. C'est les puissances de quelles tu sors, du milieu de quelles tu sors, les péchés que tu as. Tu as confessé dimanche. Ce sont ces forces. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu chantes, mais tu as le récépissé. C'est qui montre une conversion pas totale. Parce que si tu avais ta carte d'identité, c'est-à-dire ton identité est pleine, on ne t'aurait pas pris. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention. Ta foi, ton cœur, ne doit pas être à la dimension d'un récépissé, mais à la dimension d'une carte. Tu dois avoir une identité accomplie. Donc, que ta foi soit authentique. Que ta sortie du monde soit authentique. Que ton détour du péché soit authentique. La femme que tu as vu te faire le baiser, c'est l'esprit de séduction. Et les femmes vont chercher à te ramener. Maintenant, la cigarette, c'est le symbole de la débauche en général. Les milieux diaboliques, les milieux dépravation, des mœurs et tout ça. Donc, il y aura cette tentation, c'est-à-dire que tu seras tenté. Et tu auras beaucoup de problèmes si tu ne fais pas vite pour que ta foi soit complète et que tu aies une identité normale, une identité spirituelle normale. Donc Dieu te montre que tu as encore besoin de travailler ta foi pour avoir une identité spirituelle. Et c'est elle qui te préservera. Tu as compris, non? Bon, les quatre étoiles, ça ne me regarde pas. Je t'ai dit ce qui est important. C'est ce qui est, important pour ton salut. Oui, il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est la même chose. Ton étoile, tu as récupéré, tu as quatre, on prend trois. Toi, tu n'as qu'une. Ça montre toujours cette histoire de récépissé. Donc, sers Dieu de tout ton cœur. Ne sois pas dans les demi-mesures. Parce que le récépissé, ce n'est pas la CNI. It is not the national identity. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Est-ce qu'on peut prier? Can we pray? Mets-toi debout s'il te plaît. Dis seulement merci à Jésus. Just say thanks to Jesus. Dis-lui Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Lord, fill me with the Holy Ghost. Dans tous les groupes de prière. In all the prayer groups. Prions pour le Saint-Esprit et les dons spirituels. Let's pray for the Holy Ghost and spiritual gifts. Vous suivez? Prions pour le Saint-Esprit et les dons spirituel, qu'on soit enrichi. Lève ta main, dis mon Père et mon Jésus. Lift up your hands, say, my Father, merci pour ta Jesus, grâce. Thanks for your grace. Bénis-moi.
Bless me. Rends-moi prospère. Make me prosperous. Dans les richesses spirituelles. In spiritual riches. Seigneur, baptise-moi dans le Saint-Esprit. Lord, baptize me in the Holy et remplis-moi des neuf dons. And fill me with the nine au nom souverain de Jésus. In the sovereign name of Jesus. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. May the Lord bless you. Rendez-vous à 17h. Evaramilam sarami mole goimo seri. Dis à ton voisin que tu l'aimes. Tell your neighbor you love him. O sarami mole goi ak sarami mo jeramel loi sevaromi moltei.